嗯嗯。Uh uh. Est-ce que ça marche Bon, ça fonctionne super. Merci beaucoup. Luc, chapitre 17. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Alors, malheur à vous, Juan Branco. Sur Internet contre Benjamin Griveau, sur papier contre Gabriel Attal, partout contre Macron, vous faites scandale. Vous semblez mû par ce désir que l'on devine être le nid de toute révolution. Ce désir de créer son événement pour enfin devenir politiquement, c'est-à-dire visuellement. Vous êtes de toutes les défenses polémiques du côté des partis civils à Nice et presque du côté de la défense au Bataclan. Entre une analyse du, conflo, du conflit russo-ukrainien à travers votre vision du monde au contour désormais bien huilé et une salve de tweets où vous vous étonnez des pratiques publicitaires du Rassemblement national, vous trouvez le temps de faire condamner l'ancien directeur général de l'APHP, retournant contre lui sa propre plainte, au prix de longues précisions grammaticales et syntaxiques. Toutefois, le scandale arrive surtout par cette petite musique de fond colorant chacune de vos interventions publiques. C'est la musique du petit scalpel avec lequel vous vivisectionnez votre propre monde, ou du moins le monde qui fut un temps le vôtre. Parfois, vos incisions sont si diffuses, si brusques, si scandaleuses, que l'on peine à faire la distinction entre critique objective et pure avanie. Parfois, on ne sait plus si vos boucs émissaires favoris sont la maladie même, ou uniquement les symptômes d'un mal plus profond, comme vous l'avez déjà affirmé. Vous jouez de la frontière entre politique et personnel, public et privé, à tel point que Juan se confond souvent avec Maître Branco, dans un agglomérat autolétique des plus troublants. Mais pour vous, le scandale est ailleurs. Il est à Lampedusa, il est à Bingui. Il est à Goma. Le vrai scandale pour vous, c'est quand on préfère Jeff Koons à Gustave Courbet. Le scandale, c'est quand on rejette le partagé qu'offre théoriquement euh, le politique en terre démocratique pour lui préférer l'exercice solitaire du pouvoir. Le scandale, c'est le courage désormais virtuel d'élites originellement nées de glorieux et sanglants sacrifices. Le scandale... Ce n'est pas le roquet au RSA qui crie au roi Telet, viens me chercher. Non, c'est Jupiter tout-puissant qui méprise les illettrés de Gade, qui soufflette symboliquement ceux qui ne sont rien, dans les gares comme dans les rues. Le scandale authentique, c'est la dimension excluante des espaces bourgeois actuels qui privent la masse de l'accès au miraculeux. Alors, malheur à eux, nous dites-vous. De votre côté, vous rompez par d'habiles manœuvres rhétoriques le signifiant même de scandale, de violence. Une fleur qui naît, qui rompt son bourgeon, c'est violent. Être en rupture, c'est violent. Et cette violence, ce scandale, vous les revendiquez sans complexe aucun. Ce qui est sûr avec vous, Monsieur Branco, c'est que vous clivez profondément selon que l'on soit sur les bancs de l'Alsa. Ou sur ceux d'un lycée prioritaire de Thiers, selon que l'on se tienne debout sur un char traversant la plus belle avenue de France, ou debout sur un rond-point du plus perdu des villages de Navarre. Alors, John Stuart Mill disait un jour qu'imposer silence à l'expression d'une opinion revenait à voler l'humanité tout entière. Alors, malheur à vous, à eux, à nous. Chacun distribuera en silence les brevets de scandale comme il le souhaite. Pour l'heure, je vous remercie d'être avec nous et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Euh, Monsieur Branco, on va peut-être vous laisser un court droit de réponse à ce qui vient d'être dit, assez brièvement, s'il vous plaît. Je vous remercie et je vous remercie de m'avoir invité. En quelques mots, d'une part parce que c'est un, un endroit que je voudrais voir disparaître et peut-être que <laughs> j'aurais à m'en expliquer. Et ensuite parce que cette présentation, elle, elle, elle vous fait honneur d'une part parce qu'elle elle montre un, un travail de fond sur, euh, sur mes activités et ma production, notamment intellectuelle, tout en... Tout en subtilité et en référence sous-jacente, ce, ce qui est assez rare. Et, et d'autre part, parce que ce terme de scandale, il se trouve que je l'ai utilisé hier dans la cour d'appel de Paris, dans le cadre des, du procès de l'attentat de Nice, où je défends, comme vous l'avez rappelé, une, une partie civile, une victime. Et j'ai fini ma plaidoirie, et c'est intéressant que vous utilisiez ce terme, en, en disant ce terme je veux le scandale. Je veux le scandale car je ne souhaite pas que ce procès, qui pour moi est un procès fantoche, fasse oublier les responsabilités, notamment au sein de l'État, qui ont amené à la mort de 86 personnes. Donc, à moins que vous ayez été dans la salle, ce que je ne pense pas, je trouve que c'est assez, assez sensible de votre part d'avoir considéré que, que ce terme était, était celui approprié pour la présente situation. Très bien. Alors à présent nous allons passer à quelques questions introductives auxquelles je vous demanderai de répondre de la manière la plus concise possible, si tant est que cela soit possible. Ce sont des questions qui nous aideront sans doute à vous cerner politiquement dans un premier temps. Alors on sait que c'est votre campagne avec François Hollande auprès d'Aurélie Filippetti et votre rencontre concomitante avec Julian Assange qui vous ont résigné à vous lancer pleinement dans votre combat actuel. Mais euh, je souhaiterais savoir quel serait l'événement postérieur à vos débuts qui vous a le plus conforté dans le parcours de vie que vous avez choisi. C'est très difficile de penser l'événement. Déjà, la, la notion d'événement, elle, elle, elle est complexe. J'y ai dévoué, je pense, plusieurs dizaines de pages dans, dans mon texte sur Julian Assange, justement le livre que j'ai publié aux, aux éditions du Cerf qui s'appelle L'anti-souverain, où j'essaie de définir ce qu'est un événement et, et, et comment est-ce que l'on peut considérer, à la différence de l'avènement, qu'il qu va être un, un moment de production de quelque chose de nouveau et non pas de concrétisation de quelque chose qui, qui était en train de qui était en jachère et qui était en, en train en, de naître et euh, donc la question de savoir euh, quel événement particulier a pu affecter et déterminer une vie je pense que ça appartient au, au discours euh, que l'on qualifie dans un anglicisme euh, assez horrible de, de storytelling c'est-à-dire de, de tentatives de reconstruction d'un récit sur soi qui, qui permettent de séduire et, et ce n'est pas mon objectif aujourd'hui donc je me, je me concentrerai pas sur un événement particulier, d'autant plus que la construction dans le rapport au pouvoir, elle est, elle est une continuité. Vous naissez dedans, comme ça n'a pas été loin d'être mon cas, vous le fréquentez, vous l'apprivoisez, vous essayez de le séduire, et peu à peu, le rapport s'inverse, il essaye de vous séduire, de s'approprier vos qualités, des qualités qu'il a en partie fécondées, qu'il a en partie élaborées à travers les institutions auxquelles vous avez appartenu, et vous trouvez un moment, dans une sorte de face-à-face -face avec lui, à vous interroger sur le fait de vouloir... Y adhérer, l'épouser ou au contraire le rompre et, et le dévaster. Et cette ambivalence, elle, elle, ne doit pas être, elle ne doit pas être mythifiée. Il ne faut pas considérer que chacun serait sur un chemin inaltérable, mu par la naissance ou par un événement fondateur qui ne serait pas possible de contourner. Je pense que chacun d'entre nous a la possibilité, à un moment ou à un autre, de rompre et par ces ruptures successives, d'arriver à des, à des espaces qu'il n'aurait jamais pu. N'aurait jamais cru explorer. Ça, c'est sur l'événement. J'aimerais quand même, si vous me permettez, justifier mon assertion initiale sur le pourquoi je, je voudrais que que cet espace disparaisse. Si vous me le permettez, en, en quelques mots, pour mais pour vous montrer que c'est pas une provocation, c'est pas c'est pas une tentative de, de vous faire rire ou de, ou de vous séduire, mais euh, mais quelque chose de relativement pensé. Il se trouve que cette institution, elle a elle a été fécondée, vous le savez probablement, à la fin du XIXe siècle pour euh, éduquer les enfants de bourgeois, ou plutôt pour les occuper. Et ce ne sont pas mes termes, ce sont ceux de la Chambre de commerce qui euh, l'a créé dans son rapport euh, de 1878, donc euh, quelques années avant la création effective d'HEC, où ces termes sont, sont repris tels quels, les fils de bourgeois, et une institution qui euh, a pour vocation à les entretenir à un moment où la France était en train de s'étendre euh, colonialement, euh, disposait de nouveaux débouchés pour son industrie et commerciaux, et avait besoin de cadres qui ne feraient pas que reprendre les activités de leurs parents, en héritiers qui sont, généralement, mais qui auraient vocation, au contraire, à essayer de s'étendre et donc d'être projetés à des âges assez, assez courts afin de prendre des fonctions d'autorité, de puissance, auxquelles ils n'auraient pas eu accès sur le territoire, sans vider, évidemment, de ses forces vives le pays. Et ce lien très étroit entre domination bourgeoise et expansion coloniale, il est temps que le discours d'inauguration de votre école a été prononcé par le ministre des colonies, par le ministre des colonies qui va rendre hommage à cette initiative privée et qui est évidemment voulue par et accompagnée par l'État, et tenter de faire de vos ancêtres les fers de lance de cette politique. Républicaine, car il ne faut jamais oublier que le colonialisme était un enfant de la République, afin de s'étendre et, et, et d'absorber de nouveaux espaces, mais surtout de les dominer. En deux mots, le fondement de, de votre enseignement, c'est d'apprendre à, à diriger, c'est-à-dire à dominer, c'est-à-dire à faire violence. Ce n'est pas quelque chose de naturel euh, au sein des êtres. C'est quelque chose que l'on se voit inculquer, soit au sein de la famille, dans le cadre de structures relativement autoritaires. Soit au sein, euh, par la suite, des différentes institutions qui, très subtilement, en vous protégeant et en créant un entre-soi qui fera qu'à aucun moment vous n'aurez à subir en retour de violence, vous ayez cette capacité à faire autorité, qui vous apparaîtra rapidement naturelle et à vous imposer aux autres. Euh, un, un dernier mot, un, un, une phrase. Ces euh, origines se reflètent encore aujourd'hui. Euh, dans vos origines sociales, comme vous le savez, la dernière étude de l'Institut des politiques publiques sur la période 2016-2021 l'indique, c'est les chiffres et j'en finirai là. Vous êtes à 89% les enfants de classe très favorisés, c'est la catégorie qui a été explicitée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est la première des cinq catégories. Vous êtes donc encore aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, des enfants de bourgeois. Et c'est un élément important parce que ce n'est pas votre faute, évidemment, ce n'est pas votre responsabilité, mais vous êtes aujourd'hui au sein d'un espace où quelques-uns vont être les idiots utiles d'un système, ceux qui ne viennent pas de ces classes-là, les 3% qui viennent des classes les plus modestes de la société, qui composent pourtant 50% de la société française. Et ces personnes-là vont vous permettre d'un côté de vous déculpabiliser et de l'autre de vous aider à constituer un entre-soi qui va vous amener à faire violence volontairement non. Je vais devoir vous... Couper, et à détruire la société. Sinon, on n'aura jamais le temps de dérouler tout Je vous en prie, mais c'était un point important. Parce que non, mais nous aurons le temps de développer le développer ultérieurement, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, juste petite précision, euh, c'était bien en tant que ministre du Commerce que euh, Maurice Rouvier avait... Euh, et des colonies. Euh, Inaugurer l'école, qui est une école de commerce. <laughs> donc voilà. Euh, mais donc, pour revenir sur euh, donc, la question de, de Aurélien euh, Là, je vais juste vous demander l'inverse, à savoir euh, donc si vous ne voulez pas parler d'événements, peut-être une absence d'événements, une pensée politique, quelque chose qui vous aurait fait pense, penser que vous êtes à un moment donné trompé, euh, vous qui avez euh, tant de fois montré votre radicalité. <laughs> on on se trompe en permanence. Le nombre d'erreurs que j'ai commises, il est incalculable, et, euh, et ça peut être des erreurs aussi subtiles que. La façon de se présenter à un événement, au discours que l'on va tenir, en passant par des erreurs beaucoup plus importantes et engageantes concernant des, des décisions qui, qui, vont, qui vont provoquer des changements euh, au sein de votre vie. Et, 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 lorsque, et à mesure que vous gagnez en responsabilité, l'impact de ces erreurs commence à s'étendre. Et alors qu'il vous affectait initialement, il va commencer à affecter d'autres personnes. Et le poids qu'il y a à ressentir et qu'il est important de, de ressentir s'accroît dans ces mouvements, donc des erreurs évidemment à, à tous les niveaux en permanence et, euh, et de tout ordre mais, mais elles finissent par former un tout et construire une, la vie que vous avez euh, brièvement présentée euh, Très bien euh, Juan Branco, Merci. vous êtes euh, une personne difficile à cerner si sur l'échiquier politique on vous classe euh, le plus souvent à gauche on souhaiterait vous voir ici développer à l'aide de peut-être grands courants ou quelques personnages, euh, la position politique qui vous semble être la vôtre Moi, je pense qu'il y, y a un enjeu essentiel aujourd'hui dans notre pays, c'est celui de la souveraineté, c'est-à-dire réussir à construire à la fois pour notre pays et individuellement une capacité à vivre en propre et à ne plus dépendre de toute une série de dépendances, que ce soit à l'échelle nationale vis-à-vis d'autres systèmes de pouvoir qui, en partie, viennent capter nos richesses, je pense à notre intégration dans, dans le système monde qui a été construit par, par les entreprises états-uniennes et, euh, et, et, son, et son pouvoir politique, qui nous amène par exemple à chaque fois qu'on qu prend Uber à, à envoyer directement 30% de, de l'argent qui est consommé en Californie euh, avec un taux d'imposition extrêmement faible. Et d'ailleurs là c'est une fragilité de la gauche, c'est-à-dire qu'elle part toujours de taux d'imposition, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des impôts sur les bénéfices qui sont payés, etc. Ce qui est important ce n'est pas ça, c'est la fuite de capitaux que l'on produit en permanence de mille façons différentes, du fait de notre asservissement et de notre incapacité en tant que structure politique, à par exemple quelque chose qu'on pourrait vous faire faire. Je suis convaincu qu'entre vous, il y a suffisamment de personnes. On, on, on prend 15 d'entre vous, on les met dans une salle pendant 6 mois et vous êtes capable de fabriquer une appli similaire à celle d'Uber. On interdit toute application étrangère euh, en ce qui concerne les VTC et ainsi de suite. Et on crée un service public qui permet en fait de garder cette part de la valeur ajoutée. Qui aujourd'hui est en train de s'enfuir systématiquement vers un pays étranger, alors qu'on le sait tout aussi bien que nous, euh, tout aussi bien qu'eux, pardon. C'est vraiment technologiquement pas très difficile à élaborer. Et si euh, jamais vos souvenirs de mathématiques et autres commencent à s'effacer, vous prenez quelques camarades de l'IX avec vous et, et vous organisez ça en. En deux temps, trois mouvements. Donc, vous voyez, ce rapport à la souveraineté, ça, me permet de, ça vous semble détourné, mais ça ne l'est pas. C'est un enjeu capital qui me permet de vous répondre en disant Je n'ai pas du tout vocation à participer à une écurie, notamment dans le cadre d'échéances électorales ou autres. Ce n'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. Et je pense que ça s'inscrit justement. Et c'est pour ça en fait qu'il y a eu cette connexion très forte avec les Gilets jaunes, dans cette volonté de reprendre une forme de contrôle sur, sur notre destin, à la fois collectivement et individuellement, et ne pas avoir à nous soumettre à des appareils préexistants et rendre quelque part cela à la structure à laquelle nous appartenons et à l'état qui nous dirige, en l'occurrence celui de France. Je fais des réponses courtes, mais parce que vous me l'exigez. Hein, parce qu'à ouais, chaque fois, on pourrait, euh, on pourrait partir sur. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Je sais pas si, oui, c'est très bien. C'était juste une petite partie <laughs> introductive. Très bien. Euh, donc là, on va commencer la conférence. Justement, on va la couper en, en deux grandes parties. Euh, donc, au, au départ, on va d'abord parler d'une euh, partie qu'on a appelée politique, pouvoir, affect et incarnation en France. Donc, c'est un peu un, une grande partie sur tout ce qui concerne votre vision politique et euh, l'avenir de notre pays. Et pour ce qui est de la deuxième partie, on va surtout parler, comme vous venez donc de le mentionner, de souveraineté et de toutes les formes de prédation qui peuvent euh, y avoir. Voilà, tout simplement. Euh, le pouvoir politique s'exerce seul, c'est un fait. Euh, la décision, elle peut être souvent collégiale, mais euh, in fine, c'est un homme seul qui prend les décisions. Et euh, on peut observer, depuis un temps plus ou moins long, une désincarnation. Progressive du pouvoir en France, une absence de figure politique qui incarnerait à elle seule la nation. Alors, euh, dès lors plutôt, Macron, qui exerce selon vous un pouvoir solitaire et désincarné, ne serait-il pas simplement un dirigeant sur lequel se sont imprimées des caractéristiques du pouvoir Peut-on réellement l'affirmer, euh, affirmer comme vous l'avez fait, que c'est lui qui a donné ces caractéristiques au pouvoir non, je pense que mon discours est, est parfaitement inverse. C'est-à-dire que pour moi, enfin, Macron m'intéresse pas. C'est vraiment d'une banalité assez trace crasse à la fois dans son parcours et son incapacité intellectuelle et affective. Donc, le, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, le comment il est devenu le reflet et le miroitement d'une, en effet, d'une série d'enlèvements de pouvoir, de, de réseaux de pouvoir et, et de personnalités qui ont décidé à un moment donné parce qu'il y avait un effondrement de tous les candidats qu'ils avaient l'habitude ou qu'ils espéraient appuyer. En quelques mots, son élection au départ, il faut quand même se souvenir que le fondement de l'élection d'Emmanuel Macron et de la prise qu'a eu Emmanuel Macron sur le politique, c'est la défaite de Nicolas Sarkozy qui était parfaitement imprévue aux primaires de 2016 des républicains. Là, il y a quelque chose où une partie du peuple rentre dans les jeux qui, d'habitude, permettent de déterminer quels vont être les candidats qui vont être présentés au suffrage des électeurs, quelque chose d'imprévu cette victoire de François Fillon, qui va faire que tous les réseaux oligarchiques que Nicolas Sarkozy avait nourris patiemment les 30 années précédentes, à partir de la mairie de Neuilly, qui avait fait que parmi ses témoins de mariage, il y avait des personnes comme Martin Bouygues, euh, Bernard Arnault, qu'il euh, qualifiait Arnaud Lagardère de, de son frère ou l'inverse, euh, tous ces éléments-là, qui détiennent, comme vous le savez, une grande partie de la presse de ce pays, qui ont par ailleurs des pouvoirs en termes d'investissement extraordinaires, des ressources disponibles très importantes, qu'il avait nourri à la fois en termes de visibilité, vous êtes beaucoup trop jeune, vous n'étiez probablement pas né, mais il se construit Nicolas Sarkozy grâce à un épisode de prise d'otage assez fantastique à décrypter dans la mairie de Neuilly et une visibilité extraordinaire que va commencer à lui donner le 20h de TF1 pendant des mois du fait de sa proximité avec Bouygues. Et en fait, à l'époque, Bouygues et TF1, pardon, TF1, c'était 15 millions de personnes qui regardaient ça chaque soir. Ce n'est pas comme aujourd'hui où vous avez énormément de personnes qui Enfin, pardon, énormément de canaux de diffusion qui vous permettent en gros de diffracter euh, votre accès euh, au, à l'information. À l'époque, il y avait une concentration extraordinaire entre quelques chaînes de télévision et l'accès à une plateforme comme celle-ci était un privilège extraordinaire qui a fait que Sarkozy a réussi à s'imposer. Je, je vais être bref, ne hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire la généalogie du pouvoir. A réussi à se réimposer à Chirac, y compris alors que celui-ci s'était senti trahi par ce dernier en 1995 et va produire, euh, in fine, la construction de son pouvoir à partir de le domino ministère de l'Intérieur, son élection en 2017, et euh, euh, ensuite, sa tentative de réémergence dans l'espace politique, qui va échouer, donc, lors de ses primaires républicaines, et qui va faire que ces, ces personnes-là, qui vivent de l'État, ces personnes très riches dont on ne cesse de vous louer le talent, qui vont probablement demain être vos employeurs ou en tout cas vos, vos dominants, sont des personnes qui bénéficient en fait, de ressources qui viennent directement ce soit de dispositions réglementaires en ce qui concerne la téléphonie, euh, donc pour Bouygues, pour euh, Xavier Niel, pour Patrick Drahi, et, euh, et, 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 ou euh, par exemple pour, les pour, euh, pour Bouygues en tant que constructeur, euh, l'accès à des marchés publics, disons au tribunal judiciaire de Paris, ainsi de suite. Et en fait, ces personnes-là bénéficient de ces ressources extraordinaires qui sont induites par l'intervention de l'État sur le marché Monsieur en échange de, de moyens. La question ne portait pas tant sur les ressources et l'accès au pouvoir, mais, mais, si, mais sur l'incarnation de celle-ci. C'est là où, vous, où il faut, pour, ma réponse va, va permettre de, de vous éclairer. Ces moyens-là, une partie de ces moyens-là sont réinvestis au sein d'un certain nombre de dispositifs de communication, donc les médias, qui vont donner de la visibilité aux hommes politiques qui vont privilégier, ce qui va leur permettre d'acquérir de la notoriété et de la sympathie au sein de la population. De se faire élire, et vous, et vous avez un cercle qui leur permet à leur tour, à ces politiciens, de redistribuer des ressources aux, aux oligarques qu'ils ont appuyés, aux forces économiques qu'ils ont appuyées. Donc Macron, ce n'est que ça. Ce n'est rien d'intéressant. On pourrait, on pourrait se fasciner par. Enfin, je veux dire, si on, si on se laisse fasciner par un individu qui vient de la, de la bourgeoisie confortable d'Amiens, fils de professeur de médecine, qui va dans un lycée privé qui, grâce à ce lycée privé, à sa rencontre et sa romance avec une, une professeure qui est l'héritière de l'une des plus riches euh, familles industrielles d'Amiens, enfin, en tout cas des chocolatiers, euh, qui, à partir de là, réussit à s'intégrer dans les réseaux de pouvoir à Paris via la position qui a été donnée à Brigitte Macron, à Franklin, ce qui lui permet de devenir un professeur de, des enfants de Bernard Arnault, ce qui lui permet de rencontrer toute une série d'autres personnes, dont la belle-mère de, de, de Bruno Le Maire, et ainsi de suite. Et qu'à partir de là, et en parallèle avec les tentatives échouées de notre cher Emmanuel Macron de se faire reconnaître comme étant un brillant surgent de l'élite républicaine à travers ces passage de concours à l'ENS 3 raté, et ensuite son premier passage à l'ENA raté. Et enfin, enfin, vous imaginez, cinq ans à passer les concours, vous qui en avez passé, imaginez ce que ça peut dire au sein d'une vie à cet âge-là, de passer cinq ans à, passer à préparer des concours, et à enfin intégrer euh, cet euh, édifice extraordinaire qu'est l'ENA pour en sortir... Euh, à l'inspection des finances, et à partir de là, avec l'aide de juillet et quelques autres, euh, obtenir des postes qui ne lui revenaient pas, se faire introduire au sein de réseaux politiques, hésiter entre la droite et la gauche et finir par, par, par parier sur le bon cheval. Enfin, je veux dire, où est la gloire, où est l'intérêt, où est la source de fascination elle n'existe pas. Et donc, qu'est-ce que Macron Est-ce qu'il a produit une œuvre Vous vous souvenez, on essaie de nous le vendre comme philosophe, comme joueur de piano. comme... Enfin, où, où, est, où est la production d'Emmanuel Macron qui justifie qu'on considère que cet être est exceptionnel et qu'il a produit quelque chose qui permette de le déterminer Nulle part. Où est-ce qu'elle l'est dans sa gestion politique On pourra en discuter, on en discutera peut-être. Je n'ai pas l'impression que c'était un brillant succès ou en tout cas quelqu'un qui a réussi à, à consolider le corps social qui constitue notre pays, qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions qu'il... Qu'il a prise. Donc, est-ce que Emmanuel Macron est un sujet de discussion ou est-ce qu'il est simplement une sorte de, de, de point de passage qui, notre analyse, que notre analyse traverse Je pense que la réponse est assez évidente. C'est pourquoi, d'ailleurs, enfin, je vous invite à lire pour ceux qui sont intéressés par le politique d'un point de vue anthropologique euh, contre Macron, qui est un court texte que j'avais écrit avant, avant Crépuscule, assez ardu, assez compliqué à accéder, où j'essayais d'expliquer en fait comment cet, cet homme n'était était probablement ce, quelque chose d'assimilable à ce terme qu'il a essayé d'appliquer à de très nombreux Français, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est rien ou pas grand-chose au regard de ce qu'il pense être. Mais donc si Macron, c'est euh, ce pouvoir et cette politique euh, désincarnée, et pourtant vous qualifiez souvent la République euh, qu'on a actuellement de quasi-monarchique, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe comme la monarchie reste quand même euh, un pouvoir des plus incarnés qui soit Je ne sais pas si c'est incarné ou désincarné ou insignifiant. Moi, je plancherais pour, plutôt pour l'insignifiance. On l'a vu euh, sur l'incapacité à avoir une pensée. L'incapacité à avoir une pensée se, se, se matérialise de façon assez, assez simple, finalement, euh, par les choix politiques qui sont faits pendant cinq ans, euh, d'orthodoxie budgétaire, économique et autres, et d'un coup, en fait, une bascule qui vient de nulle part où l'on décide au contraire de commencer à pratiquer une politique d'endettement, de relance par la dépense, et ainsi de suite, qui avait été jusqu'alors complètement euh, critiquée, méprisée, sans argument de la même façon que ce changement intervient. Et que l'on accepte en tant que citoyen qu'il puisse avoir des bascules aussi radicales dans le rapport à la dépense, dans le rapport à l'État, dans le rapport à l'investissement de la part de nos dirigeants, sans qu'à aucun moment quelqu'un, dans l'un de ces nombreux forums médiatiques qui sont censés servir de contre-pouvoir, euh, les prennent entre quatre yeux et une fois, deux fois, trois fois leur demandent mais comment est-ce que vous justifiez d'avoir éteint l'hôpital public, d'avoir éteint l'université, d'avoir éteint la recherche, d'avoir éteint les services publics sur les territoires au nom d'une rigueur budgétaire sur laquelle du jour au lendemain vous pouvez vous asseoir sans aucune difficulté alors qu'il y a des millions de Français qui depuis 30 ans ou même depuis votre mandat souffrent des manques que vous avez créés au nom d'une idéologie qui soudain ne trouve plus à s'appliquer. Comment est-ce que vous justifiez cette bascule absolue où l'on passe de sortir plus de 100 milliards d'euros dans le bouclier énergétique après avoir invoqué la dépense de 100 milliards d'euros dans le cadre des politiques économiques relatives au Covid Comment est-ce que l'on bascule de cela alors que jusqu'ici, il faut savoir pour ceux qui sont au service de l'État, ceux qui sont vraiment au service de l'État, dans l'administration, pas ceux qui appartiennent au grand corps et qui n'y pensent que comme une sorte de plateforme pour à un moment ou un autre pantoufler ou accroître leur gloire. Ces personnes-là, elles ont dû gratter dans la moindre dépense qu'elles avaient, avaient à mettre en œuvre, dans le moindre déplacement, dans le moindre service qu'elles avaient à rendre à des citoyens français. Pendant des mois et des années, elles ont vu leur horizon se rétrécir, celui des citoyens se rétrécir, la violence croître au sein de la société au nom d'une idéologie à laquelle, du jour au lendemain, ils ont renoncé sans avoir à aucun moment à s'expliquer. Et ça me permet d'anticiper une question que vous allez poser probablement. Comment est-ce que l'on peut considérer que ce système fonctionne d'un point de vue démocratique lorsqu'il n'y a à aucun moment la possibilité d'une discussion à ce sujet je ne dis même pas de contestation, de décision collective, ce qui me permet aussi de répondre à cette question que vous posiez sur l'individualité de la décision. Un système démocratique, dans un système démocratique, la décision passe par le vote, pas par l'individu. Elle passe par la délibération et le vote et l'agglomération collective, que ce soit à travers le référendum, la démocratie représentative. Et ce que l'on espérerait de plus en plus, une démocratie directe, elle ne passe pas par le fait du prince qui, en conseil de défense, euh, décide de telle ou telle mesure, que ce soit soit sa politique, sanitaire ou autre, en complet détournement des pouvoirs qui lui sont conférés, ou pour son prédécesseur, c'est une chose que j'ai invoquée lors de l'attentat de Nice, euh, décide d'aller bombarder parce que euh, son copain Barak lui a demandé euh, un objectif militaire en, en, en Irak. Avec une lettre fantoche du président tout aussi fantoche irakien lui demandant d'intervenir pour respecter la légalité internationale, puis après décide de prolonger cette opération, entre guillemets, qui n'est pas une opération, qui est, une, enfin, qui est un acte de guerre, euh, l'opération Chamal, sur un territoire souverain, d'un régime que je méprise, qui est le, mépris, le, le régime de Pachar el-Assad, mais sans à aucun moment en référer au peuple ou à ses représentants, c'est-à-dire sans à aucun moment avoir un débat politique, public et une discussion. Sur le pourquoi, les objectifs de cette opération, et je vais... ces deux phrases, qui commencent le 19 septembre 2014. Le 22 septembre 2014, en réaction à ces bombardements, Al-Adnani, le porte-parole de l'État islamique, appelle presque naturellement à attaquer les Français et la France parce que la France vient de frapper l'État islamique. Peut-être que c'était légitime, mais nous n'avons pas eu notre mot à dire. Le 24 septembre, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, satisfait et fat dans son costume trois pièces, Indique à tous, la France n'a pas peur. La France est habituée. Déjà au nom de qui ce petit notable de province parle et comment il peut oser parler au nom de la France, lui qui a réussi à accéder à son pouvoir par, par des réseaux de solidarité dont on, sur lesquels on reviendra peut-être. La France n'a pas peur. La France est préparée. La France est habituée à ces menaces en mode bravade, provocation. L'État islamique répète ses menaces. On a droit à quoi quelques mois plus tard, au Bataclan, à l'attentat de Nice. Où on n'a même pas été capable de protéger les Français. Qu'on avait exposé avec notre décision, avec nos décisions politiques, que l'on n'avait pas consulté, et l'on se retrouve avec 86 morts écrasés par un camion de 19 tonnes, et avec des politiciens qui, ensuite, lorsqu'ils sont convoqués à l'audience et à la barre pour s'expliquer, décident qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a pas à demander pardon ni à s'excuser, et que tant pis pour ceux qui sont morts, tant pis pour les plots qui n'avaient pas été disposés, des moyens qui n'avaient pas été attribués. Pourquoi Et je finis là-dessus, parce que François Hollande était ce jour-là à Avignon en train d'assister à une pièce de théâtre, et que les moyens de sécurité qui devaient être mobilisés, sur euh, le 14 juillet, sur la, la promenade des Anglais, ne l'ont pas été parce qu'il devait, lui, être protégés. Euh, assez rapidement, euh, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous désignez comme premier coupable et premier responsable des attentats qui ont frappé la France les choix des politiques qui la dirigent à ce moment-là. Il moment. y a une responsabilité politique fondamentale dans la situation que nous avons traversée ces dernières années. Et éviter le débat sur cette question, c'est favoriser, un, une culture de l'impunité au sein de nos responsables politiques, et aussi une culture de la verticalité et du fait du prince. Donc, ça revient à la question que vous posiez, qui permet à ces personnes-là de prendre des décisions qui ne les exposent pas, qui ne les mettent pas en danger, mais qui nous exposent, nous, parce que pour des raisons X ou Y, notamment de soumission à un, un appareil d'État états-unien qui a une prise assez importante sur notre politique internationale, par effet de socialisation, mais aussi peut-être tout simplement par conviction idéologique, par bêtise, en quelque sorte, parce qu'ils se disent nous, on a des rafales. Donc, on va frapper, il ne nous arrivera rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pauvres sauvages enfin, Comment est-ce qu'ils vont réussir à, à, à faire quoi que ce soit face aux nord Mais oui, Coco, mais il y a un truc qui s'appelle la mondialisation, qui s'appelle les réseaux sociaux, qui s'appelle l'islam, qui est une religion mondiale. Et donc, évidemment, qu'est-ce que fait l'État islamique Ils ne vont pas essayer de répliquer aux Français en Irak ou aux forces spéciales françaises qui sont déployées en Syrie. Ils vont tout simplement appeler quiconque voudrait se joindre à leur lutte à frapper. Et ce danger... Cette possibilité n'a pas été anticipée visiblement, Alors, soit par nos politiciens, parce qu'ils sont assez moyens, soit en amont par nos services, la DGSI, la DGSE, les différentes directions euh, du ministre, ministère des Armées et des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur évidemment, qui auraient dû, s'ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas, et on ne sait pas, parce que c'est une boîte noire comme à chaque fois dans, dans ce cher pays, aurait dû avertir la France des conséquences qu'une telle décision pourrait produire des risques qu'il y avait et à minima des mesures systémiques qui devaient être prises pour anticiper une réaction et s'en protéger ou plutôt pour protéger les français. Mais alors dans ce cas-là, euh, je souhaiterais vous interroger sur votre analyse de l'élection présidentielle de 2022. En effet, euh, vous imputez la responsabilité à nos responsables politiques et pourtant, euh, il ne semble pas que les français soient aveugles, ils nous auront sûrement pu faire le même constat s'il devait avoir lieu d'être. Et ils ont euh, ré... enfin, les urnes ont euh, porté Macron euh, au pouvoir pour un second quinquennat. Les Français sont si peu aveugles qu'ils ne votent plus. et C'est là où euh, la désadhésion absolue à ce système politique qui se prononce de plus en plus lors des élections présidentielles avec des taux d'abstention, des votes nuls et blancs euh, importants, mais qui est devenue massive et délirante lors de toutes les autres élections, qu'elles soient législatives ou régionales et compagnie, avec des taux d'abstention qui, quand même, arrivent jusqu'à 70% pour certaines des élections intermédiaires. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur et de ce que cela signifie, d'en être à un tel point de désengagement et de dégagement vis-à-vis -vis de la politique institutionnelle. Je pense que c'est la meilleure réponse qui est apportée par le peuple de France face à une comédie pitoyable à laquelle ils ne veulent plus participer. Mais du coup, on leur, enfin, ils refusent la seule occasion pour vous de euh, faire rendre des comptes au, au gouvernement. Ils, re, ils refusent de, parti, de participer à un jeu dont ils sentent bien que les règles ne sont pas transparentes, qu'elles ne sont pas, qui ne permettent pas une compétition sincère et qui ne permettent pas une expression réelle des opinions de la population. Et par ailleurs, ça a été euh, l'un des cœurs du mouvement des Gilets jaunes. Ils refusent. Un système politique de façon plus générale où la parole qui leur est donnée, le seul instrument qui leur est donné, pardon, c'est tous les cinq ans de décider qui va décider en leur nom. C'est-à-dire un système qui n'a pas assez d'instruments de démocratie directe, qui n'offre pas les moyens, en cas d'échec, de tromperie ou de catastrophe intermédiaire au cours d'un mandat, de révoquer le dit mandat. Qui ne leur permet pas de donner des instructions directes via le mandat impératif, et qui, enfin, de façon un peu, un peu plus générale, construit, construit l'espace représentatif de façon à filtrer les possibilités pour les uns ou les autres d'effectivement être représentés, de se, de se présenter pardon, à une élection, d'effectivement être visible et entendu. C'est toujours ce débat sur la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression, c'est une fausse valeur. Si vous parlez et que personne ne vous entend, votre parole n'a aucune valeur. Et votre capacité à créer du lien, à vous construire dans l'autre, à participer à l'élaboration de la société, est réduite à néant. Donc quand on vous parle de liberté d'expression, on vous parle d'une liberté bourgeoise. Liberté bourgeoise au sens le plus méprisable du terme, c'est-à-dire une liberté qui n'a de valeur que pour ceux qui sont déjà installés qui ont déjà en fait une capacité à se faire entendre. l'on peut crier dans le désert. qu'est-ce que ça va nous apporter? ne pas être puni parce que l'on a décidé de crier et que personne ne nous entendait? et encore une fois là les gilets jaunes lorsqu'ils ont décidé de prendre le rond-point de mettre leur, leur chasuble d'arborer ce vêtement symbolique qui appelait justement à être entendu, à être visible, c'est la première chose peut-être qu'ils ont décidé d'attaquer, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler sans à aucun moment n'être entendu ou considéré. Donc, et et d'ailleurs, ça a été, euh, enfin on l'a vu, je pense que l'aspect le, la, la plus, le plus indécent de toute cette crise, il y en a eu beaucoup, mais ça a été euh, une sorte de tournée de propagande qu'a mis en place Emmanuel Macron, dont vous ne vous souvenez peut-être même pas, le grand débat qui consistait à, à faire le tour de France pour, euh, pendant des heures dans une sorte... J'imagine que c'est sa conception d'héroïsme, c'est de, de montrer qu'il peut parler pendant 8 heures, de déblatérer, faire une sorte de grande orale pendant 8 heures avec des personnes qui n'ont évidemment pas les mêmes instruments que lui pour, pour s'imposer dans un débat public. Et au bout de ces 8 heures, repartir chez lui tout content, euh, les faire euh, remplir des carnets et les mettre à la poubelle. Euh, des... C'est les carnets de doléances, les cahiers de doléances qui ont été rédigés, qui, auxquels des dizaines ou des centaines de milliers de Français ont participé. N'ont jamais été lus et exploités. On leur a fait Je trouve ça magnifique, en fait. On leur a fait écrire dans le vide une parole qui n'avait qu'une seule vocation, leur donner l'impression qu'ils étaient entendus, qu'ils servaient à quelque chose, qu'ils étaient quelque chose au regard du pouvoir, pour immédiatement les écraser. Et pas une, évidemment, des propositions ou des demandes qui ont été faites pendant cette période euh, n'a été prise en considération. Donc euh, là, vous remettez totalement en question euh, tout le concept d'élection présidentielle. Euh à la française on va dire est-ce que vous trouvez que enfin, le problème c'est justement une espèce de dichotomie entre une forme de prise de pouvoir finalement assez symbolique pleine de symboles pleine de discours et peu ancrée dans le réel finalement alors que la prise de pouvoir elle est très concrète et est-ce que vous trouvez que c'est justement ça qui marque le mouvement des gilets jaunes? Alors, le, le symbole est important en politique parce que c'est ce qui. Le politique est une, est une, le politique a plusieurs fonctions. L'une d'entre elles, c'est de, évidemment de créer du lien. Et donc, pour créer du lien, il faut des, des symboles, c'est-à-dire des, des points identificatoires qui vont nous permettre de nous reconnaître entre nous comme faisant partie d'une même communauté. Et dans Contre Macron, justement, euh, j'essaie de décrire comment Emmanuel, Emmanuel Macron n'a rien compris à sa fonction et il a cru en fait que les pouvoirs. Que théoriquement un président de la République détient au sein de la Cinquième République ne sont justement que théoriques et que la fonction du président de la République, c'est de être un point de conjonction entre les différentes strates de la société, de façon à arbitrer, les accompagner et éventuellement décider lorsqu'il faut en tranchant entre des intérêts divergents, mais de les agglomérer au sein d'un. De... Et Emmanuel Macron arrive avec l'idée qu'en fait il a été consacré Dieu Tout-Puissant, qu'il a le bouton nucléaire et qu'il peut, en fait, qu'il peut trancher dans tout ça de façon extrêmement verticale, décider pour tout le monde à tous les niveaux et se désintéresser d'une société que finalement il ne connaît pas, parce qu'il a été tellement absorbé par la construction et la constitution d'une position de pouvoir au sein du Petit Paris. Je vous rappelle quand même que c'est quelqu'un qui, alors qu'il est ministre de l'économie et donc censé quelque peu s'intéresser à nos, à nos destins, fait deux petits déjeuners et deux dîners par jour avec... Des personnes qui sont constitutives du pouvoir économique, social et compagnie, dans le seul but de les séduire et d'en faire des instruments dans le cadre de sa conquête du pouvoir et de l'élection de 2017. C'est quelqu'un qui était en permanence dans un miroitement avec ses classes sociales les plus aisées, qui ne connaît pas le pays, qui ne prend pas le temps de le découvrir, qui en a une vision un peu fantasmatique et, et quelque peu rance qui correspond à la culture de sa femme c'est-à-dire en gros les auteurs du XIXe siècle, J. et compagnie, avec les, sur il, enfin, qui apparaissent notamment dans, sa, dans, dans la photographie officielle du premier quinquennat. Il n'en a pas fait de deuxième, de seconde, pardon. Et donc, il, il se construit en fait à partir d'une image fantasmée, très bourgeoise évidemment, très distante et très méprisante d'un peuple qui n'est perçu que comme un instrument ou un obstacle à sa volonté. Et ça donne la catastrophe que l'on sait. Ça donne une forme de réactivité extraordinaire de la part du peuple français à son égard, extraordinairement violente lorsqu'il le faut, lorsqu'il considère que les bornes sont dépassées, sans qu'à aucun moment M. Macron ne semble comprendre ce qui lui arrive, et sans qu'à aucun moment une partie des classes sociales qui l'ont porté au pouvoir ne se rendent compte de l'assiègement qu'elles sont en train de construire contre elles-mêmes et de l'isolement dans lequel elles se placent au sein de cette société. Et donc, selon vous, le soufflet euh, que lui a adressé M. Tarel est le symptôme de ce détachement du réel Symptômes et purgation. Purgations surtout. En fait, le geste, n'importe qui peut baffer n'importe qui. Enfin, vous voyez, dire, on n'a pas attribué un, geste à, à, enfin, pardon, un sens à chaque geste que l'on commet. Mais lorsque l'on voit la réverbération, la répercussion qu'a eu ce geste, et la satisfaction avec laquelle elle a été, il a été accueilli par de très nombreux Français, là, il y a symptômes. Lorsqu'une agression physique, y compris lorsqu'elle est relativement secondaire, qu'elle ne provoque pas de séquelles, qu'elle est de l'ordre du soufflet, c'est-à-dire en fait d'un défi symbolique qui consiste à remettre en question l'honorabilité de la personne à laquelle vous faites face. Lorsqu'un geste de cet ordre produit de façon si massive une forme de satisfaction purgatoire, de jouissance au sein des Français qui se sentent soulagés d'avoir pu répercuter une partie de la violence qu'ils subissaient au quotidien. Il y a à s'interroger, évidemment, à mon sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été extrêmement fier de, de défendre Damien Tarel, qui, euh, qui, a, qui a eu le courage de ce geste. Parce que c'est un, un, un jeune homme d'un village euh, de la Drôme qui euh, voit apparaître un homme politique qui n'en a rien à faire de lui. Un homme politique qui l'a assumé, qui a parlé de lui comme un rien, comme quelqu'un qui. Euh, euh, qui, qui n'aurait qu'à traverser la rue pour trouver un emploi parce qu'il n'avait pas d'emploi à ce moment-là, Damien Tarrel, et qui tout d'un coup voit débarquer ce Gugus en, en, avec ses manches retroussées dans son village perdu qui a souffert des politiques qu'il a impulsées et que ses prédécesseurs ont impulsées depuis des décennies, qui ont donné d'ailleurs un euh, fruit, un, un, un texte magnifique que je vous encourage à lire de quelqu'un qui s'appelle Victor Dédage, dont le titre est un peu agressif à votre égard, mais qui mérite d'être lu au-delà de cette violence qui s'appelle je pense c'est lettre aux connards de HUC enfin passer outre l'insulte pour lire en fait parce qu'il décrit à travers ça la dévastation telle qu'elle a été ressentie par des citoyens français des services publics des décisions qui ont été prises par des pseudo managers à qui on a on a on a on a, on a alimenté parce que ça a été le cas très longtemps j'espère que c'est moins le cas aujourd'hui qu'on alimentait à une doctrine néolibérale par laquelle l'optimisation de n'importe quel marché ou sous-marché était quelque chose d'opportun sans à aucun moment essayer de regarder quelles conséquences ça avait sur l'espace plus général, à la fois marchand mais aussi sociétal. Donc cette dévastation de la province, cette dévastation du service public, cette dévastation de l'État qui permettait de tenir la société, ce Damien Tarel le ressent au quotidien. On ressent les conséquences au quotidien et voit l'incarnation de cette arrogance, cette suffisance, ce mépris et aussi de ces politiques. Tout d'un coup, prétendre s'intéresser à lui et le considérer parce qu'il est en campagne électorale. On en revient à cette idée de tous les cinq ans avoir le droit de choisir celui qui va décider en votre nom et ainsi de suite. Et l'aspect la, la, complètement euh, presque insultant en fait de, de, part, de participer à un tel système. Et il voit arriver devant lui avec un grand sourire en mode tiens donne-moi la main t'es un es un, es un jeune il y a les caméras de quotidien et compagnie on va, on, je vais t'utiliser. Et bien lui en fait il a un geste de, de refus, de dépit, de rejet. Et il met ce soufflet à cet individu avec des propos qui le renvoient à l'idéologie qui la sienne, c'est-à-dire un royaliste qui crie mon joie Saint-Denis à bala Macronie, et qui, quelque part, essaie de réinaugurer avec une autre forme de structure politique qui met l'honneur au centre, au centre de la société, qui met la valeur au centre de la société, et non pas la consommation, le pouvoir et l'avidité. Mais euh, est-ce que par là, par cette défense. Euh, qui s'appuie sur le, un ressentiment que ressentirait soit M. Tarel, soit euh, la population française. Est-ce qu'on peut légitimer euh, la violence physique Je pense qu'il y, 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 y a plusieurs questions euh, dans votre question. Il y en a une qui, euh, qui me semble. Euh, la plus évidente, c'est euh, toute une discussion qu'on ne va pas avoir, mais que je déploie un peu dans Abattre l'ennemi, c'est sur la, la définition de la violence. De la violence comme un signifiant creux. Qu Qu'est-ce qu que la violence, en fait Est-ce que la violence, c'est euh, lorsque l'on laisse quelqu'un euh, qui est en souffrance sociale massive euh, complètement abandonné ou qu'on le rejette au, au nom de critères formels en lui disant, en gros, débrouille-toi avec, euh, avec ta situation, qu'on le pousse au suicide, comme c'était le cas pour les très nombreux Français qui ont souffert des politiques économiques, françaises, enfin, politiques économiques pardon, décidées à Paris qui Ont été amenés à ce que pendant 30 ans il y ait un chômage de masse dans ce pays. Ce qui a amené, rappelez-vous-en, à une étude de l'INSERM qui indique, de Pierre Meneton, qui indique qu'il y a eu pendant cette période 15 000 morts par an dérivés du chômage. En France, 15 000 personnes chaque année pendant plus de 30 ans sont mortes du fait des conséquences que le chômage avait sur leur santé, que ce soit à travers des effets, des, des effets induits ou directs. Donc, la violence, elle est là, elle n'est pas dans le soufflet, geste symbolique, euh, que M. Tarel donne à M. Macron. La violence, elle est dans la souffrance quotidienne que beaucoup de personnes ont à supporter, dans les humiliations qu'ils subissent de personnes qui sont extrêmement favorisées, et non pas dans les coups euh, que Christophe Détinger, qui est aussi un de, un de mes clients, gilet jaune, boxeur professionnel, va apporter sur euh, un, un gendarme. Parfaitement équipé, protégé, pour le repousser alors qu'il tentait de l'empêcher d'exercer son droit à manifester et qu'il venait collectivement, quelques instants plus tôt, de frapper, de matraquer une dame de près de 80 ans parce qu'elle avait eu le malheur de vouloir faire entendre sa voix. Elle est évidemment dans les milliers d'arrestations arbitraires qui ont traversé ce quinquennat, dans les plus de 20 personnes qui ont perdu un œil. Une main et qui avait pour seule responsabilité, encore une fois, de tenter de se faire entendre, pour seule responsabilité pénale, et qui, pour beaucoup, se sont vus poursuivis pour le simple fait d'avoir voulu se faire entendre et faire vivre une part de notre pays qui commençait à s'endormir et à étouffer. Alors, euh, pour rester sur les Gilets jaunes, enfin... Euh, de ce que l'histoire nous enseigne pour qu'un mouvement ne reste pas simple mouvement, mais devienne une véritable révolution et euh, un avènement comme euh, vous en parliez tout à l'heure. Euh, seule l'énergie populaire ne peut pas suffire, il faut le soutien euh, d'intellectuels. Euh, déjà, êtes-vous d'accord avec cette analyse Non. Pourquoi Parce que, alors, pareil, enfin, je, je vous renvoie à, à abattre l'ennemi pour l'analyse détaillée du rôle des intellectuels. Euh, je ne suis absolument pas d'accord sur, sur, sur la nécessité euh, d'avoir une avant-garde intellectuelle qui, euh, qui serait là pour penser à la place d'eux. Au contraire, moi je pense qu'on est aujourd'hui en France dans une société qui euh, a, a, a suffisamment de moyens pour permettre à chacun de, de déterminer son, son propre positionnement politique et sa propre élaboration sans avoir à dépendre de tiers qui, qui viendraient les façonner. Ça a été une des plus grandes surprises. Euh, que certains ont eu quand je me suis euh, rapproché beaucoup de Maxime Nicole, donc qui était l'une des figures euh, des Gilets Jaunes, euh, avec des articles orduriers de l'Express qui se demandaient à quoi je jouais, comment est-ce que quelqu'un euh, de en fait de, ma, de mon extraction sociale pouvait euh, se mettre à fréquenter euh, un, un ancien militaire devenu euh, chauffeur euh, et, euh, et, et faisant des petits boulots sans avoir jamais fréquenté ces hautes sphères, et ils ne comprenaient pas que. Et il pensait que quand je disais que Maxime Nicole était plus intelligent que moi, il pensait que c'était une boutade, que c'était une provocation, que c'était une façon de faire scandale. Il ne se rendait pas compte que c'était profondément pensé et que l'intelligence à la fois collective et individuelle que les Gilets jaunes ont, ont, ont montré était bien supérieure souvent à la mienne et, euh, et de bien des personnes qui sont censées nous gouverner. Et je pense que l'illusion qui consiste à penser que nos dirigeants auraient une forme de talent particulier, elle a commencé à éclater, notamment grâce... Euh, aux effets de miroitement, encore une fois, que les réseaux sociaux ont produits, et euh, qui a eu des effets assez, assez fascinants. D'une part, de rompre un certain nombre d'apparences euh, trompeuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez tic, euh, Emmanuel Macron s'amuser sur TikTok, ça vous permet d'accéder à une partie de sa personnalité qui, euh, que, que le 20h de TF1 permettait de masquer. Mais aussi, à l'inverse, euh, cette centralité des réseaux sociaux a amené le politique à voir récupérer des personnes qui en provenaient et à s'effondrer avec elle. Évidemment, vous pensez comme moi à une certaine Marlène Schiappa. Euh, voilà pour les Gilets jaunes. Euh, on souhaiterait, je souhaiterais revenir sur euh, la critique que vous avez formulée euh, d'HEC et du système euh, par lequel les élites sont formées. Euh, en réalité, vous, vous répétez assez souvent qu'il n'y a pas de déterminisme quand on fréquente l'élite. Euh, Qu'on ne on peut ne pas se laisser séduire euh, par tout ce qu'elle propose. Pourtant, euh, vous semblez produire une, euh, une critique assez essentialiste, voire performative de ces euh, écoles du pouvoir. Ah, okay. Le, euh, je, je précise ma, ma question. Prenons par exemple un, un fils d'ouvrier qui se retrouverait à HEC. Est-ce qu'il n'aurait pas envie, de par la description que vous faites, euh, du pouvoir, d'accéder lui aussi et de basculer de ce que vous considérez sûre, sûrement comme euh, le mauvais côté euh, en euh, entendant votre discours. Si quelqu'un a envie d'accéder au pouvoir après m'avoir entendu, c'est qu'il y a une forme de perversion profonde au sein de cet être <laughs> et qu'il faut absolument s'en méfier. Enfin, je dirais. Euh, je dirais tout je sais pas si. Sur, sur le, la question que vous me posez, en fait, c est, c est, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a été docteur honoris causa de, de cette institution, ce qui, est, ce qui est fort paradoxal et qui a longuement enseigné euh, ici. Ça faisait partie de ces paradoxes, qui est une des personnes les plus importantes du paysage intellectuel français de ces 50 dernières années, c'est évidemment Pierre Bourdieu. Toute la théorie sociologique de Pierre Bourdieu euh, a été systématiquement interrogée, contrée. Euh, remise en question à travers de cette, euh, ce qu'il considérait être une fausse dialectique entre système et individualité. C'est-à-dire, en, en gros, il y a un déterminisme qui est prouvable statistiquement parlant c'est les 89 d'entre vous qui font partie des, des, des PCS, maintenant on les appelle comme ça, avant c'était les CSP. Euh, Cela. Vous n'avez aucun argument à, 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 à me renvoyer, si ce n'est me dire ⁇ Ah oui, mais moi je connais un ouvrier qui, ou, ou il y aurait un ouvrier dans cette salle qui va dire ⁇ Enfin, un fils d'ouvrier, moi je suis fils d'ouvrier et je suis très content d'être ici, ou j'ai réussi à être ici. ⁇ C'est bien la preuve que ça, c'est la dialectique classique que Bourdieu a déconstruite déjà il y a 40 ans et qui m'a amené de façon anticipante à, à, à traiter cette question. Euh, ensuite, sur la question du désir par rapport au pouvoir, C'est là où je considère, je n'ai pas du tout un positionnement moraliste, malgré... Euh, le jeu d'arrogance et de, de, et de, de suffisance que, que, que je vous partage, mais c'est un peu le, le jeu d'être dans une institution comme celle-ci. Elle, elle, elle est en partie, elle est même complètement, feinte. Euh, chacun a le droit à avoir ce désir de pouvoir. Chacun a le droit, et même quelque part obligé dans une société comme la nôtre, de se laisser fasciner par ce que l'on vous propose ou parce que le pouvoir prétend proposer, et ce que le pouvoir produit en termes de communication, en termes de propagande, en termes de publicité, pour donner l'impression que ces mondes seraient extraordinaires, emplis de vie, de satisfaction, de désirs, qu'ils soient érotiques, économiques, euh, pulsionnels ou autres, euh, évidemment que cela produit un effet en vous. Évidemment que ça s'infiltre en vous. Évidemment que ça vous amène à vouloir adhérer, à vous accoupler à sa disposition, à vouloir, pour certains d'entre vous commencer à acheter des vêtements de marque, à pour d'autres tenter de fréquenter tel ou tel cercle, d'autres vouloir vous projeter dans des espaces qui sont occupés par des personnes que l'on vous a appris à admirer. C'est naturel et l'individu, face à un, quelque chose d'aussi systémique, ne peut pas grand-chose. Et c'est justement par la construction d'une résistance collective, c'est-à-dire d'une part d'abord une sorte de vulgarisation de, de ce qu'est la réalité de ce pouvoir. Et c'est pour ça que je, je prends autant de temps à chaque fois pour décrire mon expérience à travers ceci, ce que ça fait de se retrouver... Euh, dans l'hôtel particulier de Bernard Arnault, ce que ça fait déjeuner avec Xavier Niels, cest vraiment d'avoir ce que ça fait d'avoir été au Quai d'Orsay à 22 ans ou 23 ans, d'avoir été à l'Assemblée nationale, comme auprès d'une députée, et ainsi de suite, à la Cour pénale internationale. Tout ça, cette sorte de travail de vulgarisation, de diffusion que beaucoup prennent pour une démonstration d'ego ou de tentative d'argument d'autorité, a pour vocation de déconstruire les mythes et les fantasmes que ces institutions réussissent à créer et tenter de vous partager un morceau du réel et de la tristesse de ce réel qui habite ces espaces-là pour justement tenter de vous détourner de ce désir construit et fabriqué et vous, et vous amener en fait à essayer de vous saisir de votre destin, de retrouver on revient à ce terme une forme de souveraineté à leur égard. La souveraineté, ce n'est pas seulement un concept politique, c'est aussi justement, par exemple, dans le rapport au désir, c'est-à-dire réussir à tenir droit face à la tentation que l'on va vous présenter euh, en vous amenant à travers la publicité ou autre, ou à, même dans les relations humaines, à vous dire que si vous allez fréquenter tel ou tel cercle, vous allez trouver des femmes plus ou moins belles ou des hommes plus ou moins intéressants, et qu'à partir de là, ça vaut la peine de faire des sacrifices, et de fil en aiguille, finir par adhérer à un système qui fondamentalement, non seulement est mauvais, amène aux destructions que l'on sait d'un point de vue écologique et ainsi de suite, mais aussi à des violences humaines et à une absence de récompense assez significative et que l'on retrouve de façon intuitive lorsqu'on regarde les gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire lorsque l'on voit qu'ils sont habités, si ce n'est d'une forme de laideur, ce qui est souvent le cas, d'une forme de fadeur, de tristesse et d'absence d'aura qui est révélatrice d'une absence de rapport à la vie, d'une absence d'enthousiasme, de passion et de tout simplement de vécu. Et donc, en fait, essayez de vous déconstruire cela, essayez de vous permettre de vous rendre compte que lorsque vous voyez Olivier Véran à la télévision, que vous dites qu'il n'a pas l'air bien dans sa peau, ce pauvre gamin, c'est parce qu'en fait, il est lui l'un des épitomes, des épitomés, pardon, de cette adhésion, suradhésion au système dans l'espoir d'y trouver une forme de récompense. Qu'il est impossible de trouver parce que cette récompense, elle est purement fictionnelle, et elle est purement faite pour créer de l'adhésion au sein des populations, que ce soit des populations de consommateurs pour les entreprises privées ou euh, l'adhésion des citoyens pour les appareils politiques qui, euh, qui nous gouvernent. Et ainsi, dans cette euh, position-là, évidemment, continuer à pouvoir les exploiter, à les dominer, à en tirer des ressources et alimenter le confort de ceux qui, au sommet de la pyramide, se trouveront. Donc, pour vous, dans ces cercles que vous décrivez, euh, les femmes sont belles et les hommes sont intéressants. pas du tout, c'est l'inverse. c'est la fiction à laquelle on tente de vous faire croire. et ce que j'essaie de partager, c'est que la réalité est loin d'être là. Quand quand, 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 comment vous dire, quand, quand je, je me rends compte en déjeunant avec tel oligarque, donc hein, quelqu'un qui, qui détient des milliards d'euros et ainsi de suite, euh, et qu'en fréquentant ses proches, en, en, en voyant ses enfants, euh, je découvre que son existence est traversée, soit lui, soit ses descendants, le plus souvent ses descendants, de crises d'anorexie, de, de souffrances profondes, d'incapacité à s'ajuster dans un monde qui, qui, dans lequel visiblement ils sont en décalage, parce qu'à force d'accumuler du pouvoir, des ressources, le plus souvent du fait d'une névrose obsessionnelle, c'est à dire l'accaparement, le rapport à l'avidité, c'est des choses qui sont quand même très caractéristiques au sommet de la hiérarchie alimentaire de nos sociétés. Quand je vois que eux-mêmes, et c'est un élément important, vous, vous, à ne pas y croire, eux-mêmes en sont réduits à faire ce qu'ils appellent la tournée des grands ducs, c'est-à-dire avec des personnes, comme, enfin avec des patrons de la Silicon Valley, quand ils viennent les visiter à Paris, aller tourner de, de, de maisons closes, parce qu'il y en existe encore dans ce pays, contrairement à ce que l'on pourrait penser, pour, pour aller coucher avec des prostituées, parce qu'ils sont plus capables de créer du lien, parce qu'ils sont plus capables de créer du désir, parce qu'ils sont plus capables d'être dans un rapport d'égalité vis-à-vis des autres personnes. Lorsque l'on parcourt en fait, tous ces espaces-là qu'on voit le vide dans lequel ils sont plongés et la violence. Qui, quelque part, eux-mêmes, non seulement fabriquent pour des autres, mais qui les traversent. Et il y a quelque chose de profondément dégoûtant, dont la répercussion vis-à-vis -vis des tiers, c'est-à-dire de la société, qui rompt euh, tous ces artifices que l'on essaie de construire. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière pub Chanel avec euh, Lily Rosedep, euh, qui était diffusée dans les cinémas, parce que c'est Enfin, justement, on essaye de créer de la distinction. C'est une publicité diffusée que dans des cinémas, comme si c'était des œuvres, où on la voit jouer son propre personnage. Et jouer à, à, à la star hollywoodienne, vous voyez, dans une sorte d'excitation, plein de gens, entourés de gens beaux, euh, de choses intéressantes, de richesses, tout ça pour vous vendre un sac à main. Et quand vous savez la réalité de la vie de ces individus-là et à quel point elle est pauvre et parfois peu stimulante, vous vous dites, il y a quelque chose à déconstruire. Et le privilège qui m'a été octroyé du fait de ma naissance, en tant que fils de producteur de cinéma, qui a grandi principalement dans les beaux quartiers, dans le 6e, 5e arrondissement, qui par ailleurs ensuite a été dans toutes les grandes écoles et institutions françaises, qui fabriquent du pouvoir, fabriquent ces personnes-là, qui ensuite a eu le surprivilège d'avoir accès, ce qui est très rare. Vous ne pensez pas que Xavier Niel, Bernard Arnault et compagnie se laissent approcher comme ça, d'être si, si ce n'est adoubé, du moins approché par ces individus, de les fréquenter, d'être invité à des réceptions, à des fêtes et compagnie. Si, si j'en tirais... Un, un, un pouvoir en soi et que je commençais à les ressembler, il y aurait non seulement une forme de trahison par rapport à ma parole et mon engagement politique, mais il y aurait surtout une forme de soumission à un dispositif qui fabrique du malheur, y compris en leur sein, et qui a fortiori, évidemment, détruit par ricochet des, des millions de destins. Bon, euh, au-delà de cette euh, analyse euh, presque psychiatrique, euh, on va pouvoir enchaîner. Euh, déjà pour conclure cette première partie, euh, on aurait une dernière question à vous poser. Euh, donc, vous semblez isolé dans votre combat. Euh, donc, euh, votre combat a fait progressivement de vous une sorte de totem euh, de la dissidence et de la résistance à la Macronie. Vous êtes contre Macron et on le sait. Euh, mais en étant combattant seul, un peu totem désincarné contre Macron, est-ce que vous ne seriez pas finalement, selon vous, le négatif euh, de votre ennemi présidentiel, donc euh, d'Emmanuel Macron c'est drôle parce que c'est ce que ma mère me dit en panique. Elle me dit mais, mais t'es enfin vraiment parfois désespérée. Elle me dit mais t'es complètement seule. Enfin, en gros, pourquoi, pourquoi j'ai fait un enfant illuminé, enfin, complètement enfin, à la limite. De la... Et, 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 et pourquoi est-ce qu'elle pense ça Elle pense ça parce que, parce que quelque part elle, elle est socialisée dans ces sphères-là. C'est évident que dans ces sphères-là, ce que je dis, ce que je fais, coupe les ponts. Et c'est évident que la seule possibilité pour que ma parole permette de fertiliser quelque chose, c'est qu'elle soit intègre, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'attaquer comme le fait la gauche aujourd'hui, Bolloré, pour sauver Niel et, Macron, euh, Niel et Arnaud. C'est-à-dire, en gros, demander non pas euh, à ce qu'il y ait une remise en question de la détention par un certain nombre d'individus, de médias, et de la capacité d'influence que ça leur donne sur nos politiques publiques. Mais qu'il y ait une remise en question individuelle, pourquoi Parce qu'ils veulent juste leur place. Ils veulent juste en fait leur oligarque qui leur permette d'avoir leur espace médiatique et donc d'avoir accès à ce système-là. Et donc si moi je rentrais dans des dispositions comme ça, et c'est la condition pour avoir des alliés dans ce système. C'est la condition, c'est de rentrer dans un rapport de compromission, c'est de rentrer dans un rapport où on va en fait permettre à d'autres personnes d'accéder à des ressources, à des positions. Et évidemment qu'il y aurait une forme de collectivisation de, de la lutte. Mais qui se ferait au détriment non seulement de ma capacité à, à me faire entendre, mais tout simplement de la capacité à être entendu, parce qu'il n'y aurait plus aucune crédibilité dans, dans, dans ce que je fais. Donc, mon, le fondement de ce que je fais requiert un isolement presque absolu, c'est-à-dire une rupture complète de toute forme de dépendance ou d'interdépendance vis-à-vis d'êtres de pouvoir, de façon à pouvoir distribuer ce pouvoir et non pas chercher à l'accaparer. Est-ce que c'est sacrificiel ou pas, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a vraiment cette, cette, cette dynamique qui est, qui est nécessaire de mettre en œuvre. Sinon, encore une fois, on re-rentre dans un système où on essaye de, 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 de vous faire croire à quelque chose pour vous faire adhérer et non pas pour vous émanciper. Enfin, vous, enfin pour émanciper les personnes à qui, à qui l'on s'adresse. Très bien, nous allons pouvoir passer à la partie suivante. Euh, quelques jours après votre passage sur euh, le plateau de Touche pas à mon poste, dans, le, sur, dans lequel vous défendiez euh, et accompagniez votre client euh, Damien Tarel, euh, éclate l'affaire euh, ou euh, l'épisode Louis Boyard, qui a mis en lumière, euh, de façon directe et encore une fois avec une certaine violence, l'influence et euh, la poigne que pouvait exercer euh, Bolloré sur euh, les médias. Et les canaux de diffusion. Cela nous emmène donc à poser certaines questions pour préciser votre pensée sur euh, la souveraineté, euh, les médias et euh, la prédation euh, à laquelle ils sont euh, sujets. Deux mots sur sur cet épisode. Euh, C'est drôle que donc euh, vous en avez tous entendu parler, j'imagine. Euh, vous avez précisé que c'était peu après mon passage sur TPMP pour euh, parler de la baffe à, à, à Emmanuel Macron, le soufflet. Il se trouve qu'en fait, j'avais entre-temps, c'est quelques jours plus tard, mais entre-temps, je, je fais une vidéo sur, euh, sur YouTube où je décrypte le fonctionnement d'intérieur de, euh, de TPMP. Enfin, je me filme avec euh, mon téléphone euh, derrière, mon, euh, derrière mon placard et, euh, et, euh, et j'explique en quelques mots comment ça se passe, ainsi de suite. Et cette vidéo, en fait, devient virale pour une raison x ou y, et fait des centaines de milliers de vues. Et donc, TPMP... Ils ont l'intelligence de me réinviter pour parler de la vidéo où je décris le fonctionnement de TPMP. C'est-à-dire qu'ils essayent de m'intégrer au spectacle, d'intégrer ma critique du spectacle au sein du spectacle. Et j'en ai beaucoup parlé avec une des personnes qui m'accompagne aujourd'hui sur l'opportunité d'accepter ou non. Enfin, vous voyez, c'est une fois que vous avez réussi, à, parce que, évidemment, c'était assez dévastateur pour eux la façon dont je décrivais le fonctionnement de, de cet appareil de pouvoir. Je vous incite à, à le regarder. Et il y avait un peu cette idée, il y a un grand réalisateur qui est mort il y a quelques semaines, qui est probablement l'un des plus grands réalisateurs de cinéma de l'histoire, Jean-Luc Godard, qui avait tenté, qui avait tout un discours de critique de la télévision, et il avait tenté, en allant à la télévision, d'essayer de renverser la chose en, en, en se mettant du côté des techniciens, c'est-à-dire en, en prenant le contrôle des caméras, en disant, attendez, on va cadrer différemment. Il avait essayé de faire de la télévision différemment. Et l'idée qu'on avait, c'était de se rendre sur ce plateau, à cette invitation, pour, qui était évidemment intéressé. Leur objectif, c'était de me détruire, c'était évidemment de détruire la critique que je venais d'énoncer et qui commençait à percer et qui donc quelque part les inquiétait pour dire ⁇ Non mais attendez, vous racontez n'importe quoi, on n'a pas de fiches et compagnie, etc. ⁇ et de créer un dispositif où ma parole serait complètement étouffée. Donc l'idée c'était de leur dire ⁇ Écoutez, laissez-moi la place ⁇ si vraiment vous n'êtes pas un dispositif de pouvoir, laissez-moi quelques minutes à la place de, de Monsieur Hanouna, donnez-moi votre oreillette, donnez-moi votre téléphone et laissez-moi donner des instructions et recevoir des instructions de la régie. Et on va voir si l'émission se déroule telle qu'elle se déroulait jusqu'ici. Et on verra si en effet vous n'êtes pas en train de construire et de fabriquer un discours, ainsi de suite. Et donc il nous invite pour ce jeudi soir, et jusqu'au dernier moment on hésite. Et à, et, à un moment, on se dit mais en fait c'est indécent, c'est indécent de rajouter du spectacle au spectacle dans une situation qui est particulièrement difficile pour de nombreuses personnes. Et donc on lui écrit ce message. Et donc il invite Louis Bayard. C'est extraordinaire ça. C'est ce soir même où on devait intervenir pour discuter du fonctionnement de TMP de, de mp que en fait pour Combler le trou qu'on vient de leur laisser dans leur antenne, il décide d'organiser un débat sur Ocean Viking, sur, sur les, les routes migratoires, et ils demandent à Louis Boyard de venir, et intervient cette, cette sorte d'esclandre dans laquelle, sans qu'on soit évidemment coordonné, Boyard décide de lui parler de Bolloré, et ça entraîne en fait une sorte d'effet révélateur que l'on sait. Donc je trouve ça assez. Je trouve ça presque émouvant parce que, vous enfin, voyez, Boyard a 10 ans de moins que moi. Euh, il a évidemment entendu parler de, de Crépuscule et compagnie. Il avait lu cette critique des médias qu'on avait commencé à mettre en place, euh, système oligarchique. Donc il y avait quelque part un peu un passage de relais, aussi par l'anecdote, avec cette difficulté, encore une fois, que la gauche, avec son courage habituel, n'arrive pas à porter de la critique systémique, n'arrive pas à dire la même chose, la, la chose qui a été dite par Boyard à TPMP, au monde. Figaro, dans ATF1 et ainsi de suite, et que non seulement cela, Louis Boyard peut se permettre de le faire parce qu'il a 22 ans, qu'il vient d'être élu député, qu'il en fait, ne doit pas grand-chose à qui que ce soit, il n'a pas d'ambition présidentielle pour 2027. Par contre, Jean-Luc Mélenchon et les personnes qui l'entourent sont, comme vous l'avez noté, beaucoup plus mesurés parce que beaucoup plus inquiets des conséquences que cela pourrait avoir en termes de répercussions sur leur capacité à être visible dans l'espace public, donc de pouvoir gagner des suffrages électoraux et arriver à changer les choses dans ce pays et donc ils ont une position particulièrement en retrait comme il l'avait eu d'ailleurs pour les mêmes raisons au sujet de Crépuscule et de toute la vague médiatique qui s'en était suivie. Ok, merci. Euh, mais euh, donc on va euh, vous poser surtout quelques questions pour votre vision générale du paysage audiovisuel français, donc le PAF. Euh, quels sont pour vous les trois ou quatre axes pour euh, un peu analyser, comprendre mieux euh, ce système de, du paysage audiovisuel Alors moi, je, honnêtement, là, je pense qu'il vaut mieux, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai enfin, beaucoup écrit, je me suis exprimé, il vaut mieux vous renvoyer à Crépuscule ou aux nombreuses vidéos que j'ai faites sur le sujet, plutôt que de vous refaire une conférence sur, 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 sur les mécanismes en fait, qui, en, qui, en, qui amènent au contrôle euh, sur, sur ces espaces. Euh, de visibilité, le rôle qu'elle joue politiquement, y compris lorsqu'elle semble complètement insignifiante, comme, 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 comme des émissions comme, comme, enfin, comme Quotidien ou autre. Donc, mais Quotidien, par exemple, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on adore, on adore, quand on fait partie des classes dominantes, euh, critiquer Anuna. C'est une forme de distinction, ça nous permet de dire, euh, on est au-dessus de tout ça, Anuna, c'est vraiment le truc de Plouc, de Pauvre, etc. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer une, une émission comme Quotidien qui finalement contribue exactement de la même façon, juste avec une cible différente et avec euh, la même vanité et la même absence de courage à une sorte d'abêtissement et d'abrutissement des populations. Et, et donc, y a, y a, on pourrait faire tout un débat sur la télévision en tant que telle, en, fin, en, spécifiquement, mais je pense que. J'aurais besoin de temps et vraiment de vous déployer. Enfin, je ne pense pas que ce soit le, le format idéal. Peut-être une, ouais. peut une précision sur la logique sociale de la télévision, comme vous le mentionniez. Est-ce que vous pensez que la, télévision, que la télévision a toujours ce rôle de démocratisation de la culture Parce Elle n'a jamais eu. Elle, la, la télévision, c'est la, la mort. Enfin, bon, la culture, c'est un, un terme relativement bâtard. C'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours privilégier le terme art ou création, à celui de culture, parce qu'il y a quelque chose d'assez généralisant et qui permet justement d'englober des, des dispositions comme les émissions télévisuelles dans la culture qui, 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 qui ne la favorisent en rien. La, la, la télévision vient mordre sur des créations artistiques, qu'elles soient cinématographiques, musicales ou, ou littéraires, écrites beaucoup plus élaborées, et vient en fait créer une forme de symétrie et d'asservissement à l'égard de ceux qui s'y... S'y soumettent. Godard, pour reprendre son terme, disait toujours la même chose. Quand on va au cinéma, on lève les yeux. Quand on, on, on regarde la télévision, on les baisse. Il y a, il y a vraiment cette idée de, 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 de désactivation de la pensée par la construction d'un flux qui est consubstantiel à, à la télévision. Ça a été. Le, les politiques de libéralisation de la télévision à partir des années 80 en France a été une des plus grandes catastrophes culturelles, et un, des, enfin, un, vrai, un vrai massacre pour, pour des générations entières qui, qui ont créé un abétissement généralisé avec notamment, là encore une fois, que la droite s'asservisse au divertissement, aux divertissements, aux oligarques comme Martin Bouygues et compagnie, on s'y attend. Que la gauche ait fait entrer Berlusconi en France avec la 5, là ça, ça, ça commence à devenir plus compliqué parce qu'on se rend compte qu'en fait, Peut-être qu'il y a un rapport consubstantiel entre le pouvoir et ces dispositifs-là qui n'a rien à voir avec l'idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir, par nature, est accouplé à ces dispositifs-là. Et du coup, vous niez tout caractère didactique à la télévision Parce que, vous, quand même, la télévision vous a offert à maintes reprises une plateforme qui vous a permis de vous parce... faire connaître, pas uniquement de cette manière-là. Oui. Mais la mais télévision, euh... m'utilise comme j'utilise. C'est un pur instrument. Moi, si je vais chez Hanouna, vous imaginez bien, ce n'est pas, pas parce que je, ça m'amuse d'aller chez Hanouna. C'est même assez, euh, assez désagréable, pas seulement par la façon dont il me traite, mais même par, parce que ça implique, en termes d'efforts, de, euh, d'abaissement, de, oui, c'est quand même pas... Euh, donc, y a, y a, mais, et c'est relativement similaire pour, pour tout dispositif de communication, mais c'est juste qu'à un moment donné... Si vous arrivez à extraire ne serait-ce qu'un pour cent de l'audience qui est la vôtre chez Anouna, c'est-à-dire donc sur deux millions de personnes, vingt mille personnes, et que un pour cent de ces gens-là s'intéressent à aux écrits ou à ce que vous partagez sur d'autres formes de plateformes et ainsi de suite, c'est déjà énorme. Dans cette recherche de souveraineté, c'est un pur dispositif instrumental qui consiste à essayer de sortir quelques personnes de l'espace dans lequel elles sont enfermées. Et, et, et là, pour le coup, euh, pour X ou Y raison, Hanouna continue à avoir à la fois la bêtise et l'intelligence qui consiste à s'ouvrir à, à, à d'autres espaces et à se laisser instrumentaliser de la même façon qu'il instrumentalise ceux qui se rendent sur son plateau. Et donc c'est un équilibre toujours très difficile à trouver. Euh, la réponse n'était pas évidente quand ils nous ont invités ce soir-là, cette deuxième fois, par rapport à Louis Boyard, parce que ça aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre, ça aurait pu permettre de sédimenter... Euh, une perception au sein de l'espace public qui, qui permettrait ensuite de produire des effets politiques, ou à l'inverse de nous détruire définitivement. Est-ce que vous pouvez juste présent, euh, préciser ce qu'est la dimension, ce que comporte comme dimension d'abaissement euh, le fait de se rendre à touche pas mon poste Parce que le, le euh, j'en parle dans cette vidéo dont je vous parlais, euh, Anuna crée un, un, un dispositif de pouvoir que j'ai décrit comme un tribunal après le tribunal ou parfois même avant le tribunal qui consiste à se mettre au centre, tel un souverain, d'une sorte d'hémicycle. Vous voyez, vous allez avoir des chroniqueurs qui sont payés par lui pour proférer des paroles qui lui conviennent et qui vont lui permettre, dans le cadre d'un processus faussement délibératif, d'amener à imposer un point de vue. Et ce point de vue va, va passer, l'imposition de ce point de vue va passer par l'écrasement, le plus souvent, de la personne qui va être invitée, comme dans un dîner de cons, à donner le change. Euh, jusqu'au moment où M. Hanouna réussira à imposer sa parole. Et donc M. Hanouna va le faire soit euh, en vous flattant, soit en vous dénigrant. Et vous imaginez bien qu'avec enfin, mon, mon positionnement politique, idéologique et personnel, ça ne peut que mal tourner à chaque fois. Et c'est pour ça que systématiquement, ça tourne mal. Quand j'ai été euh, accusé de viol, comme vous le savez, il y a, il y a, il y a un peu plus d'un an et demi, euh, euh, Hanouna m'invite dans, dans l'idée de me finir. C'est-à-dire que lui, il va arriver, il va, il va, ça, ça va être l'explosion définitive de quelqu'un qui l'a déjà mis en difficulté plusieurs reprises sur, sur un certain nombre de sujets. Et ça va être une forme de jouissance de pouvoir se prononcer avant même qu'une quelconque autorité judiciaire euh, se prononce à ce sujet. Et il crée un dispositif qui peut vous tuer de deux façons soit par l'humiliation, soit au contraire par quelque chose qui aurait été encore plus détestable et qui me faisait vraiment peur c'est quelque chose à la PPDA chez Quotidien. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission particulièrement indécente. Vous avez quelqu'un qui est accusé par une vingtaine de femmes d'un certain nombre d'actes et qui retourne chez son ancien, son ancien employeur, mais de façon discrète. C'est-à-dire Parce que TMC, où est diffusé Quotidien, n'est pas TF1 pour le commun des publics. Les gens ne savent pas que ça partit au même groupe et qu'en fait, c'est les, les mêmes personnes qui gèrent l'une et l'autre chaîne. Donc, on l'envoie chez TMC dans une émission un peu cool à qui on impose de le recevoir, parce que vous imaginez bien que euh, le présentateur et, et le producteur Laurent Bon n'étaient pas très contents d'avoir en fait affaire du, euh, du nettoyage de réputation pour cet individu, parce que en gros le patron de TF1 avait décidé qu'il fallait, euh, qu fallait le protéger. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous avez pendant 20 minutes cette, cette, ce présentateur qui est censé être euh, l'incarnation de la transgression soft, vous voyez, de la capacité à à créer du décalage, à se montrer sans compromis et compagnie, qui avait prétendu au moment où il est passé de Canal Plus à TF1 qu'évidemment ça se ferait sans sacrifice quant à sa liberté éditoriale, etc., obligé de se soumettre pendant 20 minutes à cette ancienne icône de la télévision, de ne jamais le mettre en difficulté et de lui permettre de se présenter en victime de ce qu'il était en train de vivre. Et ça, en fait, ça me faisait presque encore plus peur que la tentative d'assassinat à laquelle j'ai été soumise médiatiquement. Mais ça a été un échec pour TPPA pour PPDA, ça, mais pas, pas pour eux. Parce qu'en fait, pour eux, il y, y a cet aspect où en fait, la personne a survécu parce qu'elle a pu se présenter dans cet espace social. Donc, quelque part, elle est légitimée. Et, et donc, quand Anouna m'invite dans cette situation-là, il veut, il veut me détruire, il veut finir avec moi. Et, et là où il y a, y, a, y a une perte de contrôle, c'est que, évidemment, d'une part, l'accusation qu'ils essaient de porter sur moi ne tenait pas. Et d'autre part, eux sont en panique sur ces sujets. Parce que, comme je vous le décrivais, c'est un, un des principaux sujets d'engagement en fait, euh, qui m'ont amené à cette, ce détachement par rapport à ce pouvoir. J'en ai parlé, ce rapport, cette absence de rapport au désir, cette instrumentalisation du corps de l'autre, cet assèchement, cette froideur qui, qui naît dans ces espaces-là, euh, elle les habite. Et elle les habite à la fois dans les relations par rapport aux femmes, dans un système qui reste largement patriarcal, mais aussi dans la recherche de substituts vitaux. En ce qui concerne, et de stimulants, en ce qui concerne justement le creux dans lequel ils vivent, c'est-à-dire la consommation de drogue, et ainsi de suite. Et donc, quand ils, quand ils essayent de me chercher là-dessus, il me suffit de leur renvoyer en miroir à ce que personne n'ose dire Mais attendez, vous me, parlez, vous me parlez de drogue, vous, vous me parlez de drogue, et évidemment, qu'est-ce que fait Anouna immédiatement C'est-à-dire, quoi tu, tu dis que moi, moi, je prends de la coke enfin, il, il se sent immédiatement concerné par un annoncé qui touche au dispositif, parce qu'il sait parfaitement qu'il est concerné, individuellement. Et du coup, il, 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 il s'explose en direct. Et c'est sa force et son défaut, c'est que c'est en direct. Et si vous regardez la vidéo en replay, vous voyez qu'à un moment donné, il commence à exploser et à, 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 à m'incendier. Et à un moment, il fait un geste comme ça. C'est l'oreillette qui lui dit Oh, calme-toi, là, es en train de, enfin, on est en train de te perdre et on va, on va couler si tu continues. Et là, il y a un, un changement subit dans le comportement où il va tout d'un coup essayer d'éteindre la chose. Il va commencer à essayer de calmer les choses. Il commence à demander aux chroniqueurs Vous, vous avez déjà pris de la coque Il les regarde tous hyper gênés, évidemment, parce que. <laughs> Ils l'ont probablement fait entre eux collectivement. Enfin bref, et, et, euh, et, et, et voilà, et, et, et ça crée cette sorte de, vous voyez, de, de dérapage en fait, de, de perte de contrôle qui pour anuna est insupportable parce que tout repose dans cette émission et tout repose dans le dispositif qu'il qu a décidé de construire sur la notion de contrôle, de pouvoir et de domination sur l'autre. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit pris pour de la diffamation de? Non, parce que d'une part l'individualité ne m'intéresse pas. enfin, moi j'ai aucun aucun problème ni avec euh, Cyril Hanouna ni avec qui que ce soit d'autre. Je les vois comme comme expression d'un système, voyez. Et c'est quelque chose qui m'avait euh, où je me suis, où je me trompe probablement d'ailleurs. cest que c'est un désaccord que j'avais eu avec Piotr Pavlensky au moment où il a diffusé la. Vous en avez parlé la vidéo euh, euh, du sexe de Benjamin Griveaux. Pendant la campagne, ce qui a amené à la démission de Benjamin Griveaux, je considérais en amont euh, que c'était un geste qui était complètement improductif politiquement. Je, considérais, je ne comprenais pas l'utilité ni la valeur euh, de fonctionner de cette façon. Et vous noterez qu'en fait, malgré une parole relativement libre sur tous ces individus, depuis trois ans, je n'ai eu, comme vous l'avez rappelé, qu'un seul procès en diffamation, qui, euh, qui était celui que, que m'a intenté Martin Hirsch, parce qu'à un moment, en effet, il y a eu une sorte de tremblement dans la qualification exacte. Des faits qui pouvaient lui être reprochés, où j'ai été pas assez précis par rapport à ce que j'aurais dû être, et j'en prends ma responsabilité, mais qu'il a perdu, parce que, en fait, par ailleurs, c'était extrêmement rigoureux et que ça ne suffisait pas à rendre sanctionnable la parole qui était la mienne. Et personne d'autre m'a attaqué, parce que je pense, d'une part, tout est très fondé, tout est à chaque fois, évidemment, sourcé et légitime, et d'autre part, parce que ça s'inscrit dans un cadre systémique, et, que, et je suis presque convaincu qu'eux-mêmes comprennent. Qu qui ne sont que les objets transitifs de ma parole, qui ne sont pas le, le sujet. Et quand ils font mine de croire qu'ils se sentent personnellement attaqués, comme Gabriel Attal l'a fait quand j'ai révélé sa relation avec Stéphane Séjourné en prétendant que c'était une sortie homophobe et ainsi de suite, on voit bien que c'est de la comédie, que c'est une façon pour eux de prétendre qu'il euh, y aurait là quelque chose d'indignant, d'indécent dans ce que je révèle, alors qu'en en fait, on, ils, ils m'indiffèrent euh, évidemment dans, dans, dans leur individualité. Donc, donc j'ai pas peur de, de, de ce rapport à diffamation et j'avais une deuxième partie de la réponse à, à vous apporter. Oui, sur Piotr Pawlenski, pardon, c'est ça. On, on. Piotr a produit un effet politique euh, que l'on peut considérer comme positif ou négatif. La quasi-totalité des classes sociales dominantes ont trouvé ça évidemment négatif. Et une partie de la population française a trouvé ça, de la même façon que le geste de Damien Tarel les avait soulagés, jouissif de le faire tomber là-dessus. Et en fait, toutes les questions d'atteinte à la dignité et compagnie leur passent complètement au-dessus. Deux choses. Moi, je pense que, enfin, c'est une autocritique, je pense que je suis trop bourgeois pour trouver de la jouissance dans ce genre de geste. Et d'autre part, j'avais cette théorie qui consistait à dire que la propagande par le fait, telle qu'elle a été théorisée par les anarchistes à la fin du 19e siècle, qui consistait à l'époque via des attentats, non pas des attentats à la pudeur comme aujourd'hui, mais en tout cas par des attaques à des individualités, à des morceaux du pouvoir, on pourrait, on pourrait obtenir des résultats politiques bénéfiques. Je n'y croyais pas du tout et j'ai encore beaucoup de mal avec cette hypothèse. Mais les faits me semblent démontrer que j'ai peut-être tort et qu'en fait, dans les structures de lutte et de résistance qui sont mises en place en France, euh, les effets les plus tangibles et efficaces en termes de rédemption symbolique notamment sont passés par ceux qui, à un moment donné, sont passés par une attaque directe à l'individualité. Et, et ma parole elle-même est largement reçue parce que je mets de, des corps derrière les idées. Et c'est une exergue que j'ai mis dans 13 pillards, un, un petit texte où je reprends 13 petits portraits de, de membres de la Macronie. C'est une exergue de Marx qui lui-même appelait en fait à cette euh, corporéisation du discours, c'est-à-dire de passer par une incarnation du, du politique et rappeler que derrière les idées, les systèmes et ainsi de suite, il y a des individus qui le tiennent et qui sont, doivent être notre sujet. Euh, très bien. Pour recentrer le débat sur euh, le, les médias et leur influence, euh, je voudrais vous demander si vous considériez que la collusion euh, médiatico-économique que vous dénoncez était un mal strictement français et euh, s'il est strictement français, est-ce qu'il y a un pays qui trouverait grâce à vos yeux en termes de euh, relations aux médias alors ça, faut vraiment... Moi, moi j'ai mis 27-28 ans à comprendre à peu près comment fonctionnait le système politique français. Et je l'ai fait en ayant euh, un accès particulièrement privilégié à ces structures de fonctionnement. C'est-à-dire que la critique que j'arrive à mettre en place à partir des crépuscules, de façon structurelle, c'est parce que j'ai la chance, à la fois, à un moment donné de ma vie, d'interagir avec les oligarques, c'est-à-dire les détenteurs des médias, à la fois de façon parallèle d'être reçue, par exemple, à l'époque, par la directrice du Monde, Nathalie Nougaïret, dans son bureau, à l'époque, Auguste, à Auguste Blanqui, où elle me parle des difficultés qu'elle a avec les actionnaires, sans savoir que, par ailleurs, ils m'ont invité à déjeuner et compagnie, évidemment sans que je la trahisse, à la fois par des journalistes de ces rédactions, et à la fois, moi, en tant qu'intervenant dans ces processus. Donc, vous voyez, il y a une sorte de conjonction qui, qui n'intervient que très rarement. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais bien que Nathalie Nougaïret était aveugle par rapport aux intentions réelles de ses propriétaires. Elle subissait, elle me racontait ses souffrances et ses difficultés à imposer et à tenir une ligne éditoriale dans le monde. Et je voyais bien que le, le journaliste du monde, et les compromis qu'elle devait faire, et je voyais bien que le journaliste du monde était complètement aveugle, à la fois face à la direction de la rédaction et à la fois face aux oligarques. Donc, ayant vu cela, ayant vu le fonctionnement politique partisan à travers euh, cette expérience notamment avec Aurélie petit ayant vu aussi une partie, une partie seulement évidemment, du fonctionnement structurelle de l'État au ministère des Affaires étrangères, à la fois au, au, ce qui était le CAPS à l'époque, qui euh, de la direction de la prospective, et auprès du conseiller spécial du ministre de l'époque, Laurent Fabius, ayant vu, en fait, ayant aggloméré très rapidement et très tôt toute une série de ces expériences, et étant suffisamment jeune encore pour avoir la liberté de ne pas dépendre d'un quelconque d'entre eux, ayant enfin, et c'était évidemment cardinal, travaillé avec Julien Assange et WikiLeaks, donc voyant l'envers de ces décors, j'ai pu, à un moment donné, poser un diagnostic d'ensemble sur les fonctionnements structurels qui a mené à ces dérives et à ces failles. Et c'est en ça, franchement, que je vous incite à dire Crépuscule, quoi qu'on vous en ait dit, parce que ça, vous, ça permet de connecter des points. n'est pas parce que je suis intelligent ou non, c'est que très peu de personnes ont eu la chance de voir au niveau horizontal en même temps. Et donc cette critique-là me demandait d'essayer d'avoir de, des conclusions similaires à partir ou sur d'autres pays. Ce serait en fait dévaloriser tout, 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 tout l'effort que j'ai fait pour, avec grande rigueur, essayer d'agglomérer ces connaissances euh, en ce qui concerne la France. Et ce serait commencer à porter des jugements de surface à l'emporte-pièce qui sont, contrairement à l'apparence que l'on pourrait avoir dans mon discours parce que je me permets des facilités de le langage et ainsi de suite, sont loin d'être le cas quand je vous parle des faits dont il est question dans, dans le cadre de cette conférence. Merci beaucoup, euh, Juan Branco. On va passer à quelques questions du public, s'il y en a. Euh, oui, c'est bon. J'ai écrit euh, ma question pour que ce soit plus clair parce qu'elle est un petit peu longue. Euh, D'abord, merci d'être là ce soir. Euh, bon, euh, donc euh, on vous a écouté. Euh, vous posez un diagnostic euh, clair, euh, et c'est d'ailleurs là le fond de vos travaux, un diagnostic de conditionnement social qui façonne les élites, de violence, qu'elle soit physique ou symbolique vécu par une grande partie de la population française, une dégradation radicale des services publics et de leur privatisation, un diagnostic d'un imaginaire d'une souveraineté nationale abîmée face à la mondialisation et d'un gouvernement autocentré et individualiste. Ce diagnostic, c'est aussi une forme de discours condamnatoire, peu importe ce que l'on en pense, qu'on soit d'accord avec ou non. Pourtant, vous l'avez dit, les élèves de notre école seront pour la plupart amenés à diriger, à dominer et vous avez dit à faire violence. Cette violence dont vous parliez, peut-être qu'elle sera exercée par certains, consciemment ou non, et peut-être que d'autres préféreront ne pas se poser la question. Mais comme vous, et c'est presque votre, votre image de marque, certains des produits de l'élite ne cherchent pas d'abord à dominer et surtout pas d'abord à faire violence. Donc ma question, c'est quelle serait la deuxième étape de votre discours dans la refondation politique de la société actuelle que vous condamnez Quelle serait l'étape qui suit celle du discours condamnatoire, celle qui permet de reconstruire d'une manière nouvelle ou est-ce que vous nous condamnez ici à HEC parce qu'on est passé dans cette école que vous qualifiez d'ennemi, à ne faire que le mal et à mal faire Merci de cette question. Euh... Encore une fois, contrairement à, à, à ce, qui, ce, que, ce qui peut se dégager euh, de l'apparence de mon discours, je ne tiens absolument pas à me situer dans une position de supériorité quelconque évidemment à votre égard, ni même de façon plus générale à l'égard de quiconque. Et je pense que la, la désactivation de ce rapport de domination est essentielle, encore une fois, pour que ce discours ait un sens. Si je me permets, le mépris et la violence, c'est à l'égard de ceux qui ont les outils pour répandre ce mépris et cette violence et pour les désactiver, et pour leur montrer qu'il est parfaitement possible, en jouant avec leurs armes, d'être encore plus violent, mais aussi plus pertinent qu'ils ne le sont lorsqu'ils tentent d'en faire usage. Ça, c'est un élément cardinal. Je ne souhaiterais pas que quiconque ici se semble méprisé ou, euh, ou pris de haut par euh, par la forfanterie d'un jeune bourgeois qui, euh, après avoir parcouru le monde et fait euh, eu ses quelques aventures, euh, viendrait leur donner des leçons sur sur qu'ils sont ou sur ce qu'ils devraient être. Devraient être. La, la, le deuxième élément euh, qui me semble fondamental dans votre question et qui, là encore, pourrait et devrait faire l'objet d'une conférence à part entière. C'est la direction qu'il faudrait prendre une fois que l'on a décidé de fermer cette institution, ce que je compte réussir à obtenir d'une façon ou d'une autre, pas moi en tant qu'homme de pouvoir, mais en tant que participant d'un mouvement qui permettrait enfin de rompre avec ces espaces d'homogénéisation sociale, pardon, d'endogamie et donc de construction de structures de domination et par leur, leur fusion évidemment dans des structures universitaires ou autres. Ce discours, j'ai essayé, enfin cette construction de l'après, j'ai essayé de la mettre en place euh, dans ce long texte qui s'appelle "Abattre l'ennemi", qui est très compliqué à, à appréhender, dans laquelle je propose notamment à la fin un plan illustré de ce que pourrait être le pari de l'après et qui consiste à expliquer comment est-ce que l'on pourrait repenser et refonder une République d'un point de vue institutionnel, avec notamment des réformes dans tous les domaines, y compris celui de l'éducation, la, la généralisation par exemple du modèle des capacités, qui permet à des personnes qui n'ont pas eu le baccalauréat de s'inscrire en études de droit, et à travers un programme spécifique, de rattraper le retard entre guillemets qu'ils auraient pu avoir, auraient pu avoir pardon, du fait, disons, évidemment... Parce que lorsque l'on parle de classe sociale, on parle de quelque chose d'abstrait. C'est quoi la réalité derrière la classe sociale C'est la capacité à vivre en dehors de la précarité, c'est-à-dire en dehors de la vulnérabilité. C'est ça qui compte. Une grande partie de votre succès au concours que vous avez passé passe par la capacité que l'on vous a donnée en vous élevant dans un espace particulièrement protégé, qui vous est octroyé du fait de votre appartenance à une classe sociale privilégiée à vous concentrer, à dégager de l'espace intellectuel et psychique pour sur un objet donné d'études et de pensée, au-delà des questions de transmission d'habitus, de capital culturel et social dont la sociologie de, a, a, a beaucoup traité, votre capacité à un moment à avoir une disponibilité mentale qui va vous permettre de mettre en œuvre un effort extraordinaire au sens littéral du terme par rapport à ceux dont seraient capables des personnes de votre âge qui, pour des raisons différentes, qui vont de l'ignorance en l'existence de ces écoles, qui est quand même généralisée, à l'absence de privilèges euh, en termes de qualité éducative qui a pu leur être octroyée du fait de la dégradation du service public de l'enseignement, en passant par des conditions psychiques elles-mêmes fruits des conditions dans lesquelles ils ont grandi au sein de la famille et ainsi de suite, n'ont pas eu cette, n'ont pas pu développer à cet âge-là, cette capacité. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas capables de la déployer plus tard. Et c'est là l'un des immenses problèmes de ce pays, c'est-à-dire le déterminisme absolu qu'il y a non seulement en termes de reproduction sociale, mais en termes de capacité à rattraper, à un moment donné, un moment de votre vie qui, parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu des violences au sein de votre famille, parce qu'il y a eu une difficulté à s'insérer socialement, à ne pas être harcelé, à ne pas être violenté, à, à vous conformer au moule social auquel vous adhériez, il n'y a pas eu une capacité à vous concentrer dans, sur vos études, à déployer tout simplement un intérêt, une curiosité pour les questions qui vous étaient présentées, et quelque part, en conséquence de quoi À, à avoir un, un devenir qui soit plus élaboré et plus construit que celui auquel vous auriez pu aspirer. On n'imagine pas le nombre de personnes qui s'arrêtent en chemin parce qu'à un moment donné, ces violences systémiques dont on parle, ces 15 000 morts dont on parle en ce qui concerne le chômage de masse, de masse pardon, vont produire des effets dans le réel. C'est-à-dire à un moment donné, des violences conjugales, des violences sexuelles liées à mille choses qui peuvent être la dévalorisation que quelqu'un va subir au sein d'un environnement de travail, le fait même pas de se faire licencier, c'est-à-dire la dégradation qui va y avoir dans les rapports humains, à l'échelle verticale ou horizontale, qui va faire qu'on va se sentir mal et que cette violence, parce qu'on ne peut pas la répercuter dans l'espace du travail, parce que l'on est dominé au sein de cet espace du travail, parce qu'on est en bas de l'échelle, eh bien, on va les répercuter, par exemple, dans l'espace intime. Ça, c'est des éléments en fait, qui, du coup, vont affecter l'enfant, qui vont affecter la capacité à vous développer, et ainsi de suite. Moi, je parle de ça. Je pourrais parler pour prendre une autre question, mais qui est reliée. Tout simplement, l'accès à la beauté. Quand vous grandissez dans des tours ou dans des espaces qui sont complètement dévastés, y compris, parce qu'on parle souvent des banlieues, mais y compris dans des villes secondaires de province, où vous avez aujourd'hui des ZAC qui sont construites, où tous les commerces sont concentrés en dehors de la ville. Où le centre-ville sont complètement euh, éteints et vous allez grandir soit dans un pavillon, soit dans un espace en fait, qui va être complètement chloroformé, sans activité, mort socialement. Et vous n'allez pas avoir la stimulation nécessaire et vous n'allez pas avoir des professeurs, des médecins qui vont vouloir s'installer dans ce territoire pour vous accompagner. Et vous allez créer des boucles comme ça qui vont vous rétrograder, rétrograder au sein de la société, vont vous écarter définitivement d'espaces de stimulation qui, pour d'autres, sont préservés. Parce que les politiciens dont on parle, ils ne s'attaquent pas à leur service public. Et lorsqu'ils s'attaquent au service public de façon tellement violente que ça finit nécessairement par se répercuter, y compris dans les beaux quartiers, bah, ils vont partir dans le privé. Ils vont partir dans le privé. Ils vont s'organiser pour s'évincer de la société et se protéger des conséquences que leurs décisions produisent sur le reste des Français. Et c'est là un des aspects fondamentaux, pour le coup, de la critique de l'endogamie c'est qu'il y a une perte de conscience et d'adhésion au système collectif, une perte d'adhésion au rapport à la communauté, une indifférence à l'autre qui croit. Dans des dispositions comme ça, et qu'il est extrêmement dangereux de laisser perdurer. Donc, pour vous répondre, de la, des, vous, vous dire les solutions, moi j'ai essayé en fait de, de, de créer un ensemble de propositions comme ça qui permettraient de réfléchir à partir de ces problématiques très particulières à, à des changements structurels. Et ce qui manque, et ça sera l'objet, j'espère, de mon prochain ouvrage, c'est le comment. C'est-à-dire, une fois qu'on a, a indiqué vers où on va, Proposition, évidemment. Je ne suis pas en train d'essayer de vous dire on fera comme ci, comme ça, sur tout ce que, à part sur la suppression de l'HEC. Je ne suis pas en train d'essayer de vous imposer des choses. Mais à partir de ce dispositif-là, il reste la question de comment est-ce qu'on arrive à ce que le prochain mouvement proto-révolutionnaire, comme le Gilet jaune, permette en effet de déboucher et que les, les, les personnes qui se sont retrouvées au pied de l'Elysée, qui avaient la possibilité d'y rentrer, parce que je peux vous assurer que lors des premiers actes. Si les Gilets jaunes ne sont pas rentrés à l'Elysée, ce pas parce qu'ils n'en avaient pas la capacité, c'est parce qu'ils n'en avaient pas la volonté. Pourquoi ils n'en avaient pas la volonté Parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils voulaient rentrer à l'Elysée. Ils savaient contre quoi ils se battaient. Ils savaient les raisons qu'ils avaient amenés à se déplacer à des centaines de kilomètres de chez eux pour la plupart pour se retrouver sur les champs pour la première fois de leur vie. Mais il leur manquait cette idée de se dire si on rentre à l'Elysée, il se passera ça. Et répondre à ça, alors que les policiers reculaient et qu'ils auraient laissé passer ces jours-là, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'y Ça me semble essentiel pour pouvoir rendre effectif un devenir révolutionnaire. Ça, c'est sur la volonté, donc sur abattre l'ennemi. Et après, le comment révolutionnaire, Ça sera cette, ce sera ce texte qui, j'espère, sera bientôt publié. Bonjour, euh, merci d'être venu jusqu'ici. J'aurais une question. Face à un pouvoir politique de plus en plus autoritaire, est-ce que selon vous, il existe des moyens pour euh, s'extirper finalement du joug euh, du pouvoir Et si oui, lesquels Si ce n'est la révolution, avant d'arriver à ce stade... Mais c est, c est toujours, si vous êtes bourgeois, vous pouvez aller vous acheter quelques hectares quelque part et planter des, 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 des arbres bio et, et prétendre que vous êtes en train de d'apporter une contribution extraordinaire au monde et vous sentir valorisé éthiquement, un peu comme l'ont fait les indignés pendant Nuit debout, en, en, je pense que c'était en 2016, un an avant, avant, euh, avant l'élection d'Emmanuel Macron, où c'était magnifique parce qu'il se contentait, donc c'est en gros la bourgeoisie des villes, qui est, est, est aussi atteinte par cette dégradation générale des services publics, de la capacité à vivre en communauté mais qui n'a pas envie de prendre de risques quand même, parce qu'elle ne va pas s'exposer à se faire tirer dessus par des, par des, par des policiers, y compris si c'est juste au LBD ou des gaz lacrymo, elle ne va pas se mettre en danger, alors que bon, quand même, elle, a, elle peut aller de temps en temps bruncher dans le 11e arrondissement. Donc, cette... cette, cette, cette euh bourgeoisie qui voyait par ailleurs son capital symbolique s'effilocher disparaître parce que c'est la fille de la révolution, de ce glorieux pays la France qui a toujours fait l'histoire et qui voyait que cette histoire se basculait du côté des révolutions arabes, de peuples qui se soulevaient s'est dit oui nous aussi on va faire ça et comme ça on va retrouver un peu notre place mais bon on va pas trop le faire donc on va occuper une place qui est faite pour être occupée, enfin, c'est le principe d'une place et on, on, va, on va vraiment rester, en, on va laisser les axes de circulation autour, hein, on va vraiment rester dans la place et on va discuter voilà, donc ça, en fait, c'est réajustement. Pourquoi je vous parle de ce réajustement éthique, évidemment, complètement improductif politiquement et parfaitement hypocrite C'est parce que c'est exactement le même de ceux qui aujourd'hui se disent Bon, bah, je me barre dans mon, dans mon, dans mon, faire mon potager quelque part et, et comme ça, au moins, je ne ferai pas du mal au monde. Il y a, y, a, y a toujours, en fait, cette logique qui, qui consiste à dire que plus vous êtes en haut de la société, plus l'individualité va primer, en fait, y compris dans votre implication politique. Et plus vous êtes en bas de la société, plus vous allez dépendre de la collectivité de votre capacité à vous organiser collectivement et à mettre en œuvre en fait des dispositions qui le jour euh, où cette agglomération deviendra possible vous serez en mesure de faire contrepoids au pouvoir et de lui faire tellement peur qu'éventuellement il fuira. donc la question c'est de l'organisation collective pas au sens on va se structurer on va créer des groupes et compagnies au sens de comment est-ce qu'on commence à repérer d'une part les individus qui autour de nous auraient une sensibilité similaire à un autre et ensuite ça, c'est le plus important, et peut-être a fortiori pour vous. Quel rôle je souhaiterais jouer demain au sein d'une société qui serait reconfigurée en termes d'optimum de Pareto Quelle serait ma position Qu'est-ce qui pourrait euh, et, et qu'est-ce que je peux faire pour décaler cet optimum Parce que euh, dans une société idéale, tout ce que j'ai fait jusqu'ici va nécessairement me permettre de faire des choses, mais va m'empêcher de faire peut-être ce que j'aurais adoré faire, c'est-à-dire être artisan ou par exemple ou j'en sais rien. Et donc réajuster. Réfléchir à la so à la, au changement que doit connaître la société pour que mon optimum soit atteint et pour que l'optimum de la majorité soit atteint. Je pense que c'est pour des personnes comme vous qui ont des outils euh, pour euh, pour conceptualiser de cette façon votre rapport au monde. Je pense que c'est la première étape. Est, est -ce que, de quoi est-ce que vous rêveriez dans un monde idéal De quoi est -ce, et, et de quoi est-ce que vous pensez que les personnes autour de vous rêveraient Et qu'est-ce qui a fait qu'on leur a empêché de jouer ce rôle-là Merci. Euh, nous prendrons deux dernières questions avant de conclure. Oh, il y a beaucoup de questions encore. Bonsoir Monsieur. Vous avez, vous avez évoqué très rapidement Lena lorsque vous avez parlé euh, du parcours d'Emmanuel Macron. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette école et de la réforme euh, qui a été décidée. De l'INSp. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas eu encore d'effets de, produits par la réforme à ce stade. Euh... Franchement, rien de significatif a priori. C'est-à-dire qu'on essaye de changer cosmétiquement un certain nombre d'éléments. On, on, on a cette idéologie sous-jacente qui consiste à faciliter. C'est toujours l'idéologie du mouvement, voyez. En gros, Emmanuel Macron, vraiment, s'il y a quelque chose de caractéristique chez lui, c'est qu'on sent qu'il n'a jamais été exposé à la violence, la violence sociale, la violence symbolique. Et donc, en fait, pour lui, tout est fluide. Voyez, c'est facile. Et en fait, il faut faciliter les choses. Il ne voit pas que les corps, par exemple en ce qui concerne le corps diplomatique qu'il a fini par dissoudre, sont, ont aussi une fonction de protection. Que ce qui lui apparaissent, comme à beaucoup de néolibéraux qui sont systématiquement issus des classes les, les, les plus favorisées, comme des rigidités, sont en fait des cadres qui permettent de protéger les personnes qui, à cet intérieur, sont trop vulnérables ou seraient trop vulnérables si on les exposait au vent d'une façon ou d'une autre. Et donc, l'INSP, sans s'inscrire complètement dans cette. Il ne faut pas faire de démagogie, ça ne s'inscrit pas dans une idéologie néolibérale, ce n'est pas une destruction complète des corps. A quand même cette, un, cette idée que le problème de la fonction publique, ce serait la question du mouvement. Mais de toute façon, dès le moment que vous essayez de réformer la haute fonction publique, sans toucher au grand corps et à l'existence des grands corps, à l'IGF, à la Cour des comptes, euh, à, 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 au corps des mines et autres, pour, en ce qui concerne les, les corps de, de polytechnique, vous vous retrouvez dans une situation. Où vous êtes en train de faire de l'artifice, c'est-à-dire considérer qu suffit, qu vaut, que vous allez faire attendre quelques années seulement les étudiants avant de pouvoir accéder à ces grands corps au lieu de leur faire accéder après le classement de sortie, c'est quand même pas révolutionnaire comme, comme, comme mesure et ça ne changera rien fondamentalement. D'autant plus que pourquoi est-ce que je vous renvoie ce, la continuité de l'homogénéité sociale de votre école depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui C'est aussi pour déconstruire cette fiction qu'il pourrait en aller autrement. Votre école est faite pour construire cette homogénéité. Et si vous avez choisi d'aller à cette école après vos études, c'est consciemment ou inconsciemment pour bénéficier des effets de cette homogénéité en termes d'apprentissage de comportement, en termes de relations sociales, bien plus que, comme vous le savez tout aussi bien que moi, pour la qualité des enseignements qui vont vous être délivrés. Et donc, si vous ne traitez pas cette question-là, si vous n'allez pas en amont sur le principe même de l'existence de ces structures, eh bien, vous pouvez changer le mode de fonctionnement sur le moment de telle ou telle façon. Vous ne changerez rien au fond à leur finalité et à la façon dont elles, dont elles fonctionnent et aux effets qu'elles produisent, évidemment. Pardon. Une dernière question, du coup, malheureusement. Il n'y a, a pas de cocktail après, donc on peut. Euh, Bonjour, Monsieur. On, on m'avait proposé un cocktail et euh, bon, j'ai dit que. Je pense, Monsieur. avec Merci, merci d'être venu ce soir. J'avais une question pour vous. Euh, vous avez parlé plutôt en début de conférence euh, du fait qu'il aurait fallu, euh, c'était l'exemple que vous avez traité, c'était les frappes contre le, le, le régime de Bachar el-Assad. Il aurait fallu euh, avant, avant de faire ces frappes ou en tout cas avant de, 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 de dire que la, la France était, était sûre de ce qu'elle faisait, euh, consulter, les consulter les français. Mais pensez-vous que consulter les français aurait, aurait permis de, de en quelque sorte, de, de faire de meilleurs choix, sachant que les Français, et je parle de, de tous les Français, ne sont pas, euh, en, en général en tout cas, euh, habilités, n'ont pas eu la formation de, de pouvoir répondre à cette question, ou même, même de comprendre des questions aussi, aussi importantes euh, de, que, que celle-là. Mais ne, ne soyez pas hypocrite, alors ne croyez pas en la démocratie, et ne vous prétendez pas démocrate. Si vous considérez que le peuple n'est pas habilité à peser sur ces questions, assumer euh, l'idée d'un régime autocratique ou, ou dictatorial ou euh, qui ou, ou verticalisé. Ça c'est la première question sur la forme. Enfin vous je vous prends pas à témoin pas, à vous individuellement pas mais le fait que quelqu'un qui pense comme ça. En démocratie euh, presque enfin je dirais naïvement mais 90% des, des choix qui sont faits par nos dirigeants le sont euh, par eux sans sans nous. Sans, sans nous interroger directement, puisque nous les avons élus, et on les a en quelque sorte élus pour ça, même sans savoir les choix qu'ils allaient faire. Et donc, pour répondre, enfin, ma deuxième partie de la réponse à votre première question, euh, avant, de, avant de réagir à ça, euh, la délibération crée de l'intelligence. En fait, c'est par la délibération, par la confrontation des perspectives, que vous allez permettre une prise de conscience et un accroissement des connaissances qui va amener à une prise de décision qui va être plus juste. Que ce que l'on aurait pu autrement. Si, on, si on, en amont, on pense que du fait de cette formation, de cette isolement. voyez, pourquoi est-ce que, est que Hollande a pris cette décision C'est parce qu'il reçoit quatre jours avant le Premier ministre irakien. Et que, en fait, dans ces petits cercles de gens très bien informés ou qui se croient très bien informés, qui sont en fait des diplomates qui, depuis 40 ans, parce qu'il fut un temps où les diplomates français étaient plongés au sein des sociétés. C'était des personnes qui étaient... Il y avait des aventuriers, il y avait des journalistes, il y avait des romanciers, c'est pour ça qu'on a des, des gens extraordinaires qui ont traversé le corps diplomatique, qui sont devenus certains des plus grands écrivains de, de ce pays. Ils, ils étaient nourris, parce que c'est une partie des élites de notre pays, et nés de la résistance, et donc de, du, à la fois d'un rapport à l'engagement et à la vie, mais aussi un rapport à la construction d'un terreau où les classes sociales se mêlaient, où on partait d'expériences individuelles qui nous de, permettaient d'évaluer le mérite de façon autrement plus pertinente qu'à travers les concours que, que vous et moi avons passés. Ces personnes-là avaient la capacité de réfléchir le monde. Et quand ils allaient discuter avec d'autres diplomates qui éventuellement avaient une expérience similaire, il y avait quelque chose qui pouvait s'en en, en, en extraire. Lorsque vous regardez ce que sont devenus nos diplomates aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes parfaitement conformées, isolées au sein d'un milieu social favorisé et qui de bout en bout, en fait, n'auront construit qu'un rapport abstrait au monde, un rapport qui est fait un de leurs liens de connivence avec leur père au sein des chancelleries, au sein des événements qui sont organisés par les différentes ambassades et consulats et les institutions des pays dans lesquels ils exercent et évidemment au sein de leur classe sociale dans leur pays, ces individus-là ne sont plus en capacité de penser le monde. Ils ne savent du réel que ce qu'on leur rapporte. Et donc à aucun moment, il y a ce retour au réel, à la fois par rapport à la situation dont ils ont à traiter, en l'occurrence en Irak, et à la fois sur les conséquences qu'elle pourrait avoir sur le territoire dans lequel dont ils sont issus et qui sont censés gouverner, et diriger, parce qu'ils ne le connaissent plus, parce qu'ils ne savent pas que, à dire que, comme l'avait fait mon ministre, et c'est pour ça que j'ai été recruté euh, au Quai d'Orsay, parce que j'avais une expérience auprès de la Cour nationale il faudrait poursuivre Bachar el Assad en justice, et qui commençait à porter des discours accumulatifs sur le fait que c'était le diable absolu et que c'était pas possible, etc. Qu'est-ce qu'il suscitait chez une partie de notre population qui se sentait directement concernée par ces massacres ben, la volonté tout simplement d'y aller pour régler la situation, pour participer, pour sortir de l'impuissance que le discours moraliste que portait notre ministre produisait parce qu'il n'était incapable d'affecter le réel. Parce qu'évidemment la France n'avait pas la capacité de peser sur le devenir du destin syrien. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment se sont engouffrés dans la brèche des prédicateurs islamistes qui en ont appelé à ce peuple de France. Qui voyaient sur le 20h de TF1, sur 20h de France 2, sur les réseaux sociaux, à quel point le régime de Bachar et assad était horrible, qui sentaient une impuissance terrible parce que c'était des gens auxquels ils s'identifiaient, notamment du fait de questions religieuses, et qui à un moment donné se sont dit bon, ben, là, il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle et qui me propose quelque chose à faire, contrairement à ce ministre, contrairement à ce. Évidemment, c'est pas Laurent Fabius en question, en particulier, c'est le gouvernement, on s'en Et ils ont créé cette faille. Ils ont créé cette faille dans laquelle se sont engouffrés des gens. Et c'est pour ça que c'est en grande partie des Français qui sont partis en Syrie. Vous voyez, il y a eu une ampleur de départ de la part de France vers la Syrie beaucoup plus importante que dans d'autres pays européens. Donc, ce genre d'éléments, vous ne vous en rendez compte que si vous avez un lien, un embranchement avec le réel, si vous êtes quelque part connecté avec les réalités de votre population, pas si vous avez passé votre vie entre le 16e arrondissement et l'ambassade de Washington. Il y a un moment donné où, 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 où les conséquences de vos décisions vous échappent par votre ignorance du réel. Et donc, ce système diplomatique tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas du tout plus informé, contrairement à ce que vous pensez, que les populations françaises. Des populations françaises qui ont, pour le meilleur et pour le pire, évidemment, comme intérêt principal le leur. Mais le leur, pas en tant qu'individu, le leur en tant que communauté qu'il a fallu des siècles pour cimenter. Ils ont conscience, eux, des sacrifices qu'il a fallu pour faire la France, des sacrifices qu'a impliqué la construction des palais dans lesquels nos dirigeants se vôtrent et dont ils jouissent en toute impunité. Parce que c'est eux qui l'ont fabriqué. C'est leur sang, c'est leur sueur, c'est eux qui ont sorti l'énergie de nos mines de charbon, c'est eux qui ont fabriqué ces espaces-là, qui les ont construits, qui ont été asservis pendant des décennies et des décennies pour nous permettre de bénéficier d'installations comme celles où vous êtes aujourd'hui installés. Et donc ils savent à quel point c'est précaire et fragile, et à quel point il est essentiel avant tout de préserver cet espace-là. Je peux vous assurer que François Hollande, toute habité à sa soif de reconnaissance par ses alter ego étrangers, par le petit Paris qu'il avait adopté, n'en a non seulement pas connaissance, mais il en a, alors, il a, il a à cet égard une profonde indifférence. Et donc ce rééquilibrage, ce rappel à la terre des dirigeants ne peut passer que par une démocratisation, et une démocratisation fondamentale, pas une démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui, mais une construction d'une démocratie directe qui nous permet d'avoir une prise beaucoup plus directe sur ceux qui nous sont censés nous diriger et évidemment par ailleurs un renouvellement extrêmement large de nos soi-disant élites, c'est-à-dire de nos classes dominantes, en, les injectant, en leur injectant beaucoup plus de personnes qui, provenant de toutes les strates de la société, pourront leur dire, là je suis désolé Coco, mais quand tu fermes une poste ou quand tu fermes un, un hôpital ou quand tu fermes une caserne de pompiers, ça va produire des effets bien au-delà de la ligne comptable que tu es en train d'étudier, parce que tu y es devenu ministre des comptes publics à 31 ans, après avoir vécu toute ta vie comme un grand privilégié. Mais dans la, dans la théorie, évidemment, la démocratie directe, ça peut paraître bien beau, mais en pratique, il faudra forcément, à un moment, soit essayer de centraliser en, en certaines personnes l'opinion de, de chacun, enfin des 70 millions de personnes. Enfin, 70 millions de Français, ou alors, d'une autre manière, euh, comment, euh, si, imaginons qu'en pratique, on arrive à mettre en place la démocratie directe et à demander leur, leur avis aux Français directement, comment faire en sorte à ce que, euh, la sociologie l'a prouvé, les, les populations, et puis elles sont nombreuses plus et simples, sont aussi facilement manipulables sur des sujets qu'elles connaissent euh, bah, aussi, peu, aussi peu que les diplomates. Comment s'assurer que cette démocratie directe ne sera pas même accaparée par certaines personnes qui qui auront connaissance de, de, de cette possibilité de, de manipuler les populations C'est là où, où je vous le dis sans, sans agressivité, mais en fait, tout votre discours se fonde sur la, la, la présomption de la bêtise des personnes qui, sont, qui appartiennent à d'autres classes sociales que la vôtre. Et ça, en soi, c'est la preuve de l'efficacité des dispositifs auxquels l'on vous a fait adhérer. Je vous, je vous incite, encore une fois, non pas individuellement, mais... À faire un effort de modestie et d'humilité et d'aller voir les productions des Gilets jaunes en termes de propositions institutionnelles pour mettre en œuvre effectivement ces démocraties directes, des propositions qui ont été élaborées sur des ronds-points par des personnes qui ne sont rien ou qui ont été présentées comme telles et qui vous montreront un degré de pertinence et de compréhension de la situation du pays bien plus profond que celui de ceux des personnes qui, sont, qui nous dirigent et nous gouvernent aujourd'hui. Est-ce que cela implique un discours populiste qui consiste à dire. Euh, la parole au peuple, on s'en tient là. Non. Mais une remise en question fondamentale, et ça me permet de répondre à votre deuxième question, des dispositifs de concentration, de la visibilité, de la décision, de l'accès au savoir et aux connaissances, elle est essentielle pour justement éviter qu'il y ait ces effets d'accaparement, d'instrumentalisation et de manipulation. Si demain, l'on commence à construire des espaces de savoir qui soient bien plus démocratiques actuellement, qui fassent que l'État n'investisse pas trois fois plus, dans les grandes écoles que dans les universités, commencez par là. Que les moyens qui sont octroyés en amont, dans les collèges, dans les lycées, dans les primaires, dans les maternelles, soit dans les services publics de façon générale, soit bien mieux redistribués, vous allez voir comment très simplement le niveau d'intelligence collective et de capacité de délibération et de résistance à la manipulation va s'accroître de façon extraordinaire et va vous démentir dans ce discours qui, quelque part, au contraire, perpétue. Et ne pourra donner qu'une perpétuation euh, des dérives que vous pensez dénoncer au sein de cette population et de sa capacité à être manipulée. On va faire très vite pour prendre une toute dernière question. Bonsoir Monsieur Branco. Euh, vous avez commencé à répondre à ma question en expliquant qu'il fallait plus investir dans les universités et moins les grandes écoles. Euh, moi, je voulais vous demander. Vous avez beaucoup critiqué le système éducatif actuel, qui a l'air d'être fagoté par les élites que nous serions. Et donc, j'aimerais savoir quel est, selon vous, un modèle éducatif qui permettrait de former des gens à savoir penser, comme vous l'avez dit, sans qu'ils soient aspirés ensuite euh, par euh, finalement le pouvoir et une forme d'excellence qui serait induite par leur, leur euh, système d'éducation. Là, 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 on rentre encore, sur encore une autre conférence à part entière, parce qu'il faudrait. En fait, il faudrait que je revienne. Je vous ai donné les exemples en ce qui concerne le supérieur, mais évidemment, si on ne touche qu'au supérieur, on ne touche qu'au strate déjà infime. Enfin, je pense que je vous invite. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais en, mais en rentrant pour ceux que ça intéresse, à rechercher le pourcentage d'une génération qui a un baccalauréat général, vous allez halluciner. Là, je vous parle pas parce que je sais que certains d'entre vous viennent, par exemple, d'Henri IV, où on en est arrivé à un tel niveau de dérive que. 100% d'une classe va avoir une mention très bien, ou 95%, il va y en avoir un qui va avoir complètement raté son coup, il va avoir la mention bien. Et donc, ça, ça vous donne une, en fait une perspective biaisée de façon particulièrement alarmante par rapport à la réalité d'une société que j'ai rencontrée notamment quand j'étais enseignant à Thiers et à Saint-Ouen dans, dans, dans des lycées euh, généraux. Donc déjà, en fait, dans ce qui est une élite, par rapport à, entre guillemets, par rapport à aux populations initiales que l'on pouvait rencontrer au sein du collège, de ces mêmes collèges, c'est-à-dire des personnes qui étaient sur-sélectionnées déjà, qui avaient réussi à esquiver un certain nombre de, 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 de déterminismes sociaux qui, euh, qui auraient dû les empêcher d'arriver là où ils étaient, et, et où les, 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 le niveau d'aspiration potentielle euh, à une scolarisation dans le supérieur était infime par rapport au niveau d'espérance de réussite euh, simplement au bac dans d'autres dispositifs comme le vôtre. Donc, on rentre par ce biais-là, par le haut, parce que j'ai un billet, parce que moi-même je viens de ces espaces-là, parce que je les connais bien, parce que je n'ai pas été à HEC, mais j'étais à normal à Sciences Po, et donc j'ai des amis qui étaient à HEC, et donc on finit en fait par, par cartographier ces espaces par, par effet d'acquaintance, sociaux et compagnie, mais évidemment qu'il qu faut reprendre bien en amont l'éducation et ensuite interroger un élément fondamental qui est de savoir est-ce qu'il y a eu un jour un espace politique où l'éducation a permis de subvertir les mécanismes de reproduction sociale et de domination et je ne suis pas sûr que la réponse soit évidente. Je ne suis pas sûr qu'en fait l'éducation ce mythe républicain que l'on a construit encore une fois à un moment d'expansion de la société française où l'expansion économique notamment permis par la colonisation mais notamment permise aussi par l'industrialisation massive liée au, au, à l'entrée dans la et j'aurais aimé beaucoup parler avec vous d'économie justement de ces questions de la, de la civilisation techno-industrielle a amené toute une partie des, toute, une, toute une série de couches de la société à s'urbaniser à devenir, à passer d'un travail des champs à un travail de ville et donc à donner l'illusion qu'il y avait du mouvement au sens de progrès au sein de la société et qu'en fait on pouvait passer d'agriculteur à instituteur en une ou deux générations et qu'il y avait là quelque chose qui ne servait, qui servait à autre chose qu'à simplement assurer à la société la capacité à reproduire ces mécanismes de pouvoir, de contrôle sur, sur les populations et de les rendre utile à la production de ressources euh, qui, in fine, seraient très largement captées par, 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 des couches, par des couches spécifiques et très privilégiées au sein de, de cet espace. Et donc, je, je vois que vous voulez m'interrompre, mais, mais, mais pour finir, il y a aussi peut-être une déconstruction à mettre en œuvre, pour le coup, chez moi, dans la gauche et de façon générale, sur la possibilité pour l'école d'être un instrument d'émancipation au sens d'ascension sociale et ainsi de suite et ne pas simplement admettre qu'elle a, a été une source de mouvement à un moment parce que la société elle-même était en mouvement, et qu'en fait elle a accompagné ce mouvement et qu'elle ne l'a euh, d'aucune façon générée. Et à partir de là, bah, toute une libération de cet espace-là, où finalement l'éducation ne devient qu'un instrument parmi bien d'autres, et où la révolution apparaît comme devant être bien plus générale qu'elle qu devrait l'être. Je voudrais finir un mot peut-être sur euh, la question des prisons et de l'avocature. On en a assez peu parlé finalement. J'ai une position extrêmement privilégiée au sein de la société en tant qu'avocat parce qu'elle me permet de voir dans les tréfonds de ce pays et de voir les interactions entre les tréfonds de ce pays et les appareils de pouvoir. Le moment où vous vous retrouvez dans une procédure pénale, c'est que vous avez été en friction d'une façon ou d'une autre avec un appareil de pouvoir et où vous allez le devenir à travers cette procédure-là. Et de là est née une pensée de la répression qui consiste à dire on va retourner cet outil contre les dominants et l'on va s'assurer que des personnes comme monsieur Trichet, gouverneur à la Banque centrale européenne, euh, qui a adopté par ses politiques austéritaires euh, enfin par des politiques monétaires euh, restrictives dans la suite de la crise de 2008 a recréé une crise au sein de l'Union européenne et a amené à dévaster toute une génération en l'immobilisant et en produisant des effets que l'on est encore en train de payer, des personnes comme celle-ci devront ou devraient se retrouver en prison, pas seulement pour des faits de corruption comme Anne Lavergeon ou d'autres mais il faudrait créer des instances spécifiques chargées de créer un sentiment de responsabilité chez des personnes qui autrement se contenteront toujours de suivre l'ère du temps dominant, pourront se satisfaire de ne pas penser et de servir in fine des intérêts par absence de pensée. Par absence de pensée et non pas nécessairement par intérêt. Donc la corruption, c'est un élément fondamental. Mais l'absence de pensée qui est générée... Par ces institutions comme celle-ci, parce que vous êtes au début d'un parcours, un parcours qui va vous amener à aller de confort en confort et qui va faire de vous, de vous les, les soldats, si ce n'est serviles, du moins quelque peu endormis d'un système qui, par ailleurs, fera violence. Déconstruire par l'exemple pénal cette impunité produira, à mon sens, un effet de ruissellement qui fera que dès votre âge, vous vous direz là, est-ce que j'ai vraiment envie. De m'asseoir confortablement sur mes convictions qui, par ailleurs, par pur hasard, correspondent exactement à celles aux intérêts de ma classe, et se dire non, non, si j'y rentre, je vais rentrer peu à peu, et en ayant fait l'effort de bien réfléchir à ces questions, et quand j'irai qu'il faut absolument resserrer la politique monétaire à un moment, enfin, avec des effets contracycliques terrifiants, peut-être que j'y réfléchirai à deux fois, et j'éviterai de commettre cette erreur et de détruire les vies de millions de Français, tout ensuite en, en pouvant ensuite continuer à aller de mondanité en mondanité, en continuant ma vie comme si de rien n'était. cet élément qui est fondamentale dans ma pensée, qui est évidemment fondamentalement opposée idéologiquement à ce, que je, ce qui m'a formé, c'est-à-dire une lutte contre la répression en tant qu'outil euh, de domination des classes bourgeoises. Il me semblait important aussi de vous la partager parce qu'il y a un moment donné où sinon, tout ça reste de l'ordre de la pure virtualité, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais finalement, ce n'est pas grave parce que le monde continue, on n'en subit pas les conséquences et peut-être qu'on aurait été du bon côté ou du mauvais côté, peut-être qu'on aura des points moraux ou une bonne... Forme de satisfaction morale à l'idée d'avoir été euh, euh, un peu éloigné ou, ou non des injustices que l'on avait suscité, et, euh, et, et il n'y aura pas cette prise de conscience qui, pour le coup, chez les classes populaires, je peux vous l'assurer, est très existante. C'est-à-dire qu'à la moindre dérive par rapport à l'ordre existant, le moindre dérapage qu'ils commettraient, y compris lorsqu'il s'agit de voler quelques denrées euh, dans un supermarché alors qu'ils sont en difficulté, ils savent, ils savent qu'ils le payeront immédiatement, et c'est pour cela qu'à ce stade. Il se montre à ce point asservi à un ordre qui ne fait en grande partie que les exploiter et les piller. La conférence touche donc à sa fin. Merci beaucoup Juan Branco pour cet échange. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à repasser demain pour une table ronde justement sur le milieu carcéral. voilà